Yeah, I wanna do na pa. it again, <speaking> baby. I wanna na I it, na pa. Say it again, I want na it, na pa. Say it again, say it again, oh. I it, na pa.

Bienvenue à cette émission. Bonsoir à tous. Le président Laurent Kouloubabo est de retour dans l'arène politique. En ce jeudi 29 octobre 2020, il a délivré, et je crois que nous avons tous vu, mais nous allons revoir ensemble, une interview historique qui fera date dans l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, qui fera date dans l'histoire politique de l'Afrique de l'Ouest, parce qu'elle est l'interview du retour dans l'arène politique d'un homme qui en avait été retiré depuis bientôt dix ans à l'issue de la crise post-électorale ivoirienne, l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, l'historien, le professeur Laurent Koudou-Bagbo. C'est un grand jour car il annonce que la réconciliation, le pardon, le rassemblement des Ivoiriens sont possibles, que les blessures du passé peuvent être... Réparer, qu'elles peuvent être soignées et qu'il suffirait que le bon sens triomphe en Côte d'Ivoire pour que ce pays s'élance vers l'avenir avec confiance, avec énergie, avec positivité. Le président Laurent Kouroubabo n'est pas n'importe qui en Afrique, il n'est pas n'importe qui en Côte d'Ivoire. En Afrique, il fait partie de ceux-là même qui furent les pionniers du retour au multipartisme. Au cœur de l'Afrique noire et notamment de l'Afrique francophone dans les années 90. Il fait partie de ceux qui, au cœur des régimes monopartisans dès les années 70, s'engagèrent dans la résistance et qui devaient être aux premières lignes de la confrontation avec les régimes de parti unique à l'entrée des années 90 après le fameux discours de la bol. Le président Laurent Koudou-Bagbo est un homme expérimenté, qui a connu la clandestinité, qui a connu l'opposition, qui a connu la prison dans son pays et à l'international. C'est un homme qui a également connu le pouvoir qu'il a exercé dans son pays et à l'international. C'est cet homme-là qui s'est exprimé aujourd'hui. Au moment de vous proposer mon analyse de ce grand moment de vie politique ivoirienne africaine et internationale, je voudrais commencer par saluer respectueusement le président Laurent Koudoubagbo. en tant que un doyen qui nous a précédés sur beaucoup de chapitres. Et lui souhaiter non seulement la santé qu'il faut, mais également toute l'énergie. Nécessaire pour qu'il apporte le meilleur de lui-même à cette séquence décisive et cette séquence de parachèvement en réalité de sa carrière politique. Je voudrais aussi, au moment de proposer mon décryptage de cette interview, saluer, et elle n'est pas des moindres, l'éminente journaliste venue de mon pays natal, Denise Epoté qui a eu l'honneur et la primeur de la première interview, la première interview du retour du président Laurent Gbagbo dans l'arène historique. Ma chère Denise, tu es une aînée, tu es une amie, mais surtout, ce que je salue ici, c'est ta compétence journalistique, non seulement reconnue, dans notre pays natal commun, le Cameroun, mais chevronné et consacré à l'international, qui t'a permis de mériter la confiance de cet homme d'État, un homme expérimenté qui ne s'aventure pas, on le sait, Laurent Babo est doué d'une prudence politique exceptionnelle, vers des terres qu'il ne maîtrise pas. Qu'il t'ait choisi, Denise, c'est le signe que tu fais ton travail. Avec rigueur, que tu fais aussi ton travail avec compassion, que tu fais ton travail avec profondeur, que tu fais ton travail avec expertise. C'est ainsi que je te connus à l'aurore de ta carrière dans notre pays natal, avant que tu ne partes à l'international, ou de manière constante, tu as toujours fait ton travail. J'ai aimé la solidité avec laquelle tu as interrogé le président Laurent Gbagbo. Sans complaisance, sans agressivité, en allant toujours au fond des choses avec lui pendant ces près de 12 minutes d'entretien. Je voudrais donc te saluer. Je voudrais aussi rappeler à ceux qui actuellement regardent cette émission que je fais partie de ces observateurs, de ces analystes, de ces spécialistes de la politique ivoirienne qui depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, quand j'ai constaté la dérive dictatoriale en cours en Côte d'Ivoire, je fais partie de ceux qui, dès lors que le président Babo a été acquitté en première instance des charges qui étaient prétendument retenues contre lui à la haie, je fais partie de ceux qui ont, de manière régulière, appelé le président Laurent Babo à prendre la parole. Je voudrais à titre personnel remercier le président Babo. Je ne sais pas s'il a, a, a eu écho de mes conférences, mais vous qui suivez mes conférences pouvez témoigner du courage dont il a fallu faire preuve. Parce qu'il n'est pas facile pour nous qui avons été adversaires, critiques du président Laurent Babo, lorsque nous disons quelque chose en sa direction, il n'est pas facile que cela passe auprès de ses partisans les plus fidèles et les plus radicaux. Lorsque dans mes conférences précédentes, j'ai dit que la manière dont Adama Bictogo le directeur exécutif du RHDP, ce grand fraudeur au diplôme que vous connaissez tous. Et la manière dont Alassane Draman Ouattara, le président sortant, le satrape venu de Sindou à Abidjan, s'était exprimé en utilisant le nom du président Bagbo, comme s'il y avait une connivence, un deal entre eux. J'ai dit que la manière qu'ils ont utilisée pour s'exprimer exigeait que le président Bagbo prenne publiquement la parole avant le 31 octobre. Et j'avais exactement dit qu'il doit prendre la parole, pourquoi Parce que c'est un ancien chef d'État, c'est un homme d'État, parce qu'il est encore le président d'un des partis les plus importants de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, le Front populaire ivoirien, et parce que c'est un historien politique et que c'est un homme expérimenté. Enfin, j'ai ajouté que le président Babou devait prendre la parole parce que la Côte d'Ivoire avait commencé à brûler. On est déjà au-delà de 70 morts. On est déjà au-delà de 70 morts. Je disais ici il y a une semaine, il y a deux semaines, qu'il est inconcevable que le président Laurent Bagbo continue à se taire alors que le pays brûle et qu'il était nécessaire qu'il prenne la parole. Il était absolument nécessaire qu'il prenne la parole. Je me réjouis de faire partie de ceux qui s'estiment avoir été écoutés. Parce que le président Babou a pris la parole quand il faut, au moment opportun. Et la prise de parole du président Laurent Babou, nous allons le voir en analysant questions-réponses, elle a clarifié ce qui pouvait être source de doute dans certains esprits. Après les interventions qu'on trouvait manipulatoires, les interventions insinueuses, les interventions mensongères d'Adama Bictogo. Et d'Alassane Raman Ouattara. Adama Bictogo, je vous rappelle, avait laissé penser que le président Laurent Babo était silencieux en bon, en, en, en bonne entente avec le président Alassane Ouattara, parce qu'il se serait entendu que le président Babo doive observer du silence en échange de la possibilité de revenir en Côte d'Ivoire après que Ouattara aurait forcé le troisième mandat. N'est-ce pas C'est ce que Adama Bictogo a dit. Et Alassane Ouattara lui-même, dans son interview injurieuse, insultante, outrageante au monde, dans laquelle il s'est permis de s'attaquer à la santé du président Babo, à sa santé biologique. Dans cette interview, Alassane Ouattara a prétendu qu'il avait ordonné au président Laurent Babo de se tenir à carreau, de mener une vie normale, c'est-à-dire de ne surtout pas se mêler de la politique ivoirienne dans cette période. Et qu'en échange, lui, Ouattara, accorderait la grâce, la faveur au président Babo de rentrer dans son pays. Alors que ce Ouattara est de tous les hommes d'État ivoiriens, celui qui aura eu le plus de mal à être reconnu et accepté en Côte d'Ivoire. Et que c'est le président Babo qui, à l'issue de Pretoria en 2005, devait signer un décret sur la base de l'article 48 autorisant Alassane Draman Ouattara à être éligible à la présidence de la République. Ironie de l'histoire, c'est cet Alassane Draman qui nous a dit, et relisez bien l'interview publiée dans Le Monde il y a deux ou trois jours, c'est lui qui nous a dit que Laurent Babou avait intérêt à être sage, comme un petit enfant, que Laurent Babou avait intérêt à mener une vie normale, parce que si... Il ne le faisait pas. Lui, Alassane Ouattara, laisserait les poursuites qui sont préparées sur le terrain contre Laurent Barbeau et ne lui délivrerait pas son passeport pour qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Mieux, si par mégarde il parvenait à rentrer en Côte d'Ivoire, le laisserait aller en prison. Voilà ce qu'a dit Alassane Ouattara. Et le silence du président Barbeau semblait donc corroborer la thèse défendue par Big Togo et son patron. Voilà pourquoi il était d'une importance capitale. Il était d'une importance essentielle que le président Babo s'exprime. Et il l'a fait. Le peuple de Côte d'Ivoire, tout entier, est heureux que le président Babo se soit exprimé. Oui, parce que c'est la Côte d'Ivoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. C'est toute la diaspora ivoirienne. Ce sont toutes les diasporas africaines qui ont eu aujourd'hui la preuve de l'unité d'action dont parlaient les présidents Guillaume Soro, Henri Conan Bédier, Pascal Affingessant. Euh, Mabri Tuakers, Mamadou Koulibaly, le ministre Marcela Montano, tout le monde a eu la preuve qu'il y a donc unité d'action de l'opposition contre Alassane Ouattara. La preuve qui restait. Parce que Ouattara et Big Togo avaient voulu, selon leur stratégie du diviser pour mieux régner, s'incruster dans la faille laissée par le silence du président Babou. Donc vous devez mesurer à quel point aujourd'hui ce que nous avons eu, c'est un événement capital. La boucle du rassemblement des buffles contre le vieux lion est bouclée. Et c'est cela que nous allons analyser. Et voyons comment Laurent Babo, qui a le verbe très châtier, va répondre aux questions pourtant très précises et tout aussi profondes et de Mme Denise Epoté. Il va y répondre en allant toujours systématiquement droit au but. Mais avant d'aller à l'analyse des questions-réponses, je voudrais donner mon impression. J'ai vu un Laurent Babo très calme. Très serein, le visage rondouillet, c'est un homme qui fait son âge, mais c'est un homme qui est bien entretenu, c'est un homme qui semble bénéficier maintenant de conditions de vie, comme il l'a dit lui-même, agréables. J'ai vu le visage du président Laurent Babo qui ne souffre d'aucune dissymétrie. Et que son visage n'est pas penché dans un sens ou dans l'autre. J'ai vu un homme qui fait, il est né en 1945, c'est un homme qui fait ses 75 ans et c'est un bel homme de 75 ans. Laurent Koudou que Pendant qu'on parle, les gens veulent s'attaquer à la santé des gens, mais quand on regarde le président Bagbo, c'est un bel homme de 75 ans, agréablement sanglé dans son costume, le visage apaisé, sans doute par de longues journées de repos et de bons traitements, des soins pris à sa santé, à sa vie quotidienne, à son hygiène de vie. C'est un homme aux antipodes, du portrait qu'Alassandre Manwata a voulu brosser en sous-main dans son interview scélérate au journal Le Monde. C'est un homme aux antipodes complètes de ce portrait négatif que nous avons vu. Un Laurent Babo posé qui entre 1990 et maintenant 2020 a développé quelque chose. Si vous regardez les interviews de Laurent Babo opposant dans les années 80-90, vous vous rendez compte qu'il parlait très vite. Il parlait très vite. Comme on parle souvent très vite en pays, pays BT d'ailleurs, d'où il vient. Il parlait très vite. Euh, euh, ça, ça, euh, sa, cadence. sa cadence était littéralement une cadence de Begbe, c'était une cadence de, de Zigbility. Ça allait très vite quand Laurent Gbagbo parlait. Avec le temps, il y a quelque chose que Laurent Gbagbo a injecté dans son expression publique c'est il a ralenti pour approfondir. Il a introduit le ralenti d'approfondissement. Prenez le Laurent Bagot des années 90, il parle comme ça. Le Laurent Bagot de maintenant, il parle comme ça. C'est-à-dire que c'est <laughs> il parle en faisant des ondes. Avant, il parlait en faisant des saccades. Maintenant, il fait des ondes. Donc il, il n'est pas précis. Et, et de ce point de vue, il, y a, il y a quelque chose qui se rapproche du style du président Bédié. Vous savez, le président Bédié, c'est l'homme de la formule. Le président Bédié, c'est le spécialiste de l'économie de mots et la condensation du sens. Président Bédier, si vous lui donnez quelque chose à dire, il préfère le dire en deux mots que de le dire en deux phrases. Il préfère le dire en une phrase que de le dire en dix phrases. Et Laurent Babo est en train de développer cette chose particulière-là, mais qui vient, me dit-on, avec l'âge et le temps politique, l'expérience politique. Là, Laurent Babo, c'est du droit au but. Bon, nous autres, analystes politiques, observateurs, nous on peut commenter. Mais eux, les hommes d'État, quand ils sont chevronnés comme ça, ils vont droit au but. Et voilà pourquoi il faut prendre il faut être très attentif aux nuances du langage du président Babou. Parce que autant il parle moins que quand il était opposant dans les années 90 ou quand il était président pour son premier mandat en tout cas au, au départ de son mandat de 2000, maintenant il condense tout ce qu'il veut dire dans des toutes petites formules dans lesquelles il y a toute la richesse du propos. Voilà l'homme que j'ai vu, je ne sais pas comment vous l'avez vu, il prend son temps pour parler, il n'est pas pressé de parler, il prend son temps pour répondre, il répond en glissant des nuances, il glisse des nuances qui sont très riches de sens, n'est-ce pas Laurent Mabou, maintenant, sa force, c'est ça, parler peu, mais dans le peu, là, mettre beaucoup. Et je sais que cela est souvent le signe mais de l'expérience politique. Quand l'expérience politique s'entasse vraiment en un homme, eh bien, il va. Vers cette orientation-là. Elle correspond à son âge, elle correspond au tempérament d'un homme d'État expérimenté, d'un homme d'État qui en a vu d'autres, et elle correspond aussi à sa volonté, si vous voulez, d'aller à l'essentiel et de ne pas gaspiller son énergie parce qu'il n'en a pas à revendre. À cet âge-là, on n'a pas de l'énergie à revendre, on va droit au but et on attend. Voilà quelques observations. J'observe aussi que la journaliste euh, Denise Potet a été vigilante, elle ne l'a pas laissée prendre possession de l'interview, elle l'a interrogé et même parfois elle lui a fait des objections, l'obligeant à aller au fond de sa pensée. Ce n'est pas une interview complaisante. Elle lui a posé toutes les questions que tout le monde voulait lui poser. Et il a répondu en allant vraiment au fond de sa pensée. J'ai même aimé le fait qu'au moment où on lui donne la parole pour le mot de la fin, Laurent Babois en profite pour enfoncer le clou. C'est le clou qu'il a enfoncé dans les deux dernières minutes de l'interview qui m'a permis de donner... Le titre suivant à cette vidéoconférence. Le président Babo donne une directive d'opposition résolue au troisième mandat d'Alassane Ouattara. Le président Babo donne une directive résolue. Non, une directive d'opposition résolue au troisième mandat d'Alassane Ouattara. S'il y a une phrase qu'il faut retenir, c'est surtout je me suis exprimé. Parce que je voudrais dire que dans cette lutte contre le troisième mandat, je suis totalement, mais résolument du côté de l'opposition. Je suis avec l'opposition. Je suis dans l'opposition. Toute l'interview d'aujourd'hui, elle avait pour but, pour Laurent Fabius, d'informer ses partisans que lui, il est opposé au troisième mandat et qu'il leur donne comme direction, c'est son expression, c'est ce que moi je transforme en directive. Parce que Laurent Babo est très nuancé. Il dit, je suis là pour donner ma direction, mais en fait, comme il est un chef, quand le chef donne sa direction, que font les disciples du chef ben, Ils suivent la directive. La direction du chef, en réalité, c'est la directive de ses disciples. Laurent Babo, très fin, n'a pas dit, je donne une directive. Non, je suis venu donner ma direction. C'est-à-dire, qui m'aime me suivent. Je ne regarde pas derrière. Qui m'aime me suivent. Je ne regarde pas derrière. Et Dieu seul sait que Laurent Babou a du monde qu'il aime <laughs> en Côte d'Ivoire. Donc, il est venu donner sa direction. Donc, Laurent Babo a dit, voilà, le cap, c'est quoi C'est non, non, non au troisième mandat d'Alassane Raman Ouattara. Je finis mes remarques générales en vous faisant remarquer que, sauf si je ne m'abuse, j'ai réécouté l'interview cinq fois. Le président Babo n'a pas prononcé dans sa bouche le mot Alassane Ouattara une seule fois. Je recommence. J'espère que vous notez ces nuances-là. Dans sa bouche, -là, il a laissé la journaliste Denise Epoté elle-même appeler le nom du satrape. Dans sa bouche, il n'y a pas eu Alassane Ouattara. Il a remplacé Alassane Ouattara par trois, trois termes, trois mots impersonnels. Le mot on, c'est un pronom indéterminé. Le mot il, un il qui est en quelque sorte une identité générale. Et puis, il l'a mis à un moment donné dans le mot nous. Nous, entendu par nous, les hommes politiques, les hommes d'État, ceux qui ont la responsabilité des communautés. Sinon, réécoutez l'interview. C'est Denise Epoté qui, de temps en temps, cite explicitement Alassane Ouattara le nom. Dans la bouche Laurent Babo, il n'y a pas, mais il y a un dernier nom qu'il a utilisé pour l'appeler. Il y a un mot là, c'est pour Alassane Ouattara. Je vais vous le prouver. C'est le mot enfantin. Hum. Enfantin. Le président Laurent Babo nous a donné un nouveau bâton pour chicoter Ouattara. Il dit que Ouattara est un individu enfantin. Je vais vous montrer la richesse qu'il y a derrière, le caractère enfantin de Ouattara. Parce que le président Laurent Babo nous dit que Ouattara a un problème avec son enfance. Oui, 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 oui. C'est Laurent Babo est, est tellement... C'est un gisement. Il dit que le fait d'exclure 40 candidats, c'est enfantin. Ça, c'est enfantin. Qui a exclu C'est Ouattara. Qui est donc enfantin C'est Ouattara. Donc, qui a un problème avec son enfance C'est Ouattara. Eh bien, on va redévelopper ce problème que Ouattara a avec son enfance. Parce que le président Babou nous dit, ce monsieur que vous voyez là, il est malade de son enfance. Or, vous vous souvenez que votre serviteur vous a délivré force conférence ici pour vous montrer qu'Alassane Ouattara souffre d'une maladie mentale qui date du reniement de son enfance. Donc voilà, les, voilà les remarques générales qui peuvent être considérées comme une introduction générale à cette émission. Si vous êtes donc prêts, vous êtes 3500 sur YouTube, vous êtes déjà 3300 sur Facebook, donc vous êtes déjà 6500 personnes, commençons donc à nous délecter. De l'échange de questions et de réponses entre le président Babo et la journaliste Denise Époté. Car vraiment là, il y a du bon. bon alors j'ai noté les échanges de questions et réponses. Première question on demande au président Babo comment il va. Ce n'est pas une question innocente. Hein. Alassane Ouattara s'est permis de dire que le président Babo était un malade grave. Nous, on voit un homme en super forme, plus beau à voir que Ouattara un homme dont la, le visage est symétrique. Alors que celui de Ouattara est dissymétrique et même asymétrique. Un homme dont la démarche est encore verticale et rectiligne, alors que celle de Ouattara est en pointillé et claudicante. Celle de Ouattara est serpentine. Comme j'ai mal le dire, Ouattara marche en point-virgule. Littéralement comme s'il avait, je ne sais pas, un pieu dans le cul. Nous voyons un Laurent Bagbois en super forme, bien sanglé dans sa belle veste, qui nous répond qu'il se porte bien. Et que de toutes les façons, on se porte nécessairement mieux quand on est hors de la prison que quand on est dans la prison. C'est important. Laurent Babo est expérimenté en prison politique. Attention, il n'a pas commencé la prison politique dans les années 90. <laughs> Laurent Babo, au moment où Ahmed Bakayoko est présenté par Alassane Draman Ouattara en plein délire comme le, plus, le premier prisonnier politique de Côte d'Ivoire, on oublie que dès les années 70, Laurent Babo dut être interné à Seguela pour avoir exercé des activités syndicales jugées subversives sous le président Oufouet, Laurent Babo va connaître l'internement à ces Et c'est d'ailleurs lors de l'un de ces internements avec euh, service militaire forcé que le président Babo va faire connaissance avec un certain capitaine, Robert Gay, qui était entre autres chargé de la formation Et bien, des opposants récalcitrants envoyés par le président oufoué Boigny au service civique. Donc Laurent Babo, c'est depuis les années 70 qu'il connaît la prison. Voilà un spécialiste qui dit, la prison, ce n'est pas bon. Il a connu la prison dans les années 90. À partir de février 92, il va en prison pour au moins six mois. Laurent Babo sort de pratiquement dix ans de prison, 2011 jusqu'à maintenant. Il a pu sortir en début d'année passée. Donc, il dit ceci, quand on est hors de prison, on va mieux nécessairement que quand on est dedans. C'est un clin d'œil à ces centaines et à ces milliers de prisonniers politiques qui croupissent encore dans les cellules de Côte d'Ivoire. Laurent Babo dit, ce qu'un peuple veut pour être heureux, ce n'est même pas d'abord à manger et à boire, c'est d'abord être libre, le respect de sa dignité. Car la dignité est tellement importante à l'être humain que même quand il mange un tout petit peu, mais dans le respect, il se sent beaucoup plus heureux. Que quand il a le ventre plein et qu'il est méprisé et traité comme un, une bête de somme. Donc Laurent Babo a commencé par casser le premier mythe que Ouattara a voulu installer dans les esprits la semaine, euh, la semaine qui vient de passer, en prétendant que lui, Ouattara, avait accepté d'arranger la constitution en 2016 pour protéger Laurent Babou de ses problèmes médicaux. On voit Laurent Babo en meilleure forme que Ouattara. Regardez la tête de Ouattara lors de son émission sur RFI lors de son émission sur RFI et puis France 24. Regardez sa tête. Ouattara était entassé à l'intérieur de sa chaise, froissé comme un vieux drap, rassemblé sur lui-même. Le visage marqué par l'angoisse. Ouattara était bégayant. Et la dissymétrie faciale dont il souffre était encore plus affirmée en raison du stress et sans doute des psychotropes qu'il s'était administrés pour être capable de tenir. Donc nous avons eu tout de suite, dès le départ de l'interview du président Babou, un contraste. Un Laurent Babou en super forme, un Alassane Draman Ouattara, on s'en souvient, vraiment dans un état piteux. Et c'est lui qui dit du mal de la santé des gens. Deuxième question posée au président. Deuxième question posée au président Laurent Babo On lui demande Mais monsieur le président, pourquoi est-ce maintenant que vous avez choisi de parler J'ai beaucoup aimé cette question de, de, de Denise Epoté. Pourquoi est-ce maintenant que vous avez choisi de parler Pourquoi n'avoir pas parlé avant Alors là, le président Laurent Bavois a pris le temps. J'ai noté qu'il a produit quatre arguments pour expliquer pourquoi il parle maintenant. D'abord, il explique que depuis le 11 avril 2011, date de son arrestation, de ce, et puis par la suite à partir de laquelle sa déportation en novembre de la même année a été faite à la Cour pénale internationale par le régime Ouattara. Jusqu'à ce jour du 29 octobre où l'interview est publiée, lui, le président Babo, ne s'était pas exprimé. Parce qu'il avait prévu de s'exprimer lorsque, disculpé, il rentrerait dans son pays et qu'il dirait à son peuple, me voici, je suis de retour, ce pourquoi on m'accusait. A été réputé non valable, je suis revenu vers les miens. Donc en fait, Laurent Babou avait préparé un véritable storytelling comparable au cahier d'un du, retour au pays natal, hein, d'Aimé Césaire. Il disait Je reviendrai vers ce pays mien dont le limon entre dans la composition de ma chair et je lui dirai Me voici. Voilà. C'est ce qu'il avait prévu. Mais l'homme propose, et Dieu, ou plutôt, dans le cas d'espèce, l'histoire dispose. Laurent Babo dit que c'est ce qui était prévu. Mais il y a une deuxième raison qui fait qu'il va remettre en cause ce premier plan de prise de parole en Côte d'Ivoire. Bien sûr, d'abord, il a été empêché de rentrer en Côte d'Ivoire alors que ça fait plusieurs mois qu'il a le droit de rentrer en Côte d'Ivoire. Donc, il n'avait pas nécessairement prévu que Alassane Ouattara, qui a veillé à le déférer, à le déporter à la, à la CPI, n'aurait pas d'avion disponible. Pour le ramener au point de départ. Et donc, du coup, en fait, son exil se prolonge. Parce que Ouattara refuse de lui faire délivrer les facilités de voyage dont de, normalement il ne devrait pas avoir besoin. Puisque pour partir de Côte d'Ivoire, il n'a pas eu besoin de présenter un passeport. Il s'est retrouvé à la haie. Il n'a pas présenté de passeport, il n'est pas passé par un aéroport, il n'a fait aucune formalité. D'ailleurs, ça permet de faire une objection à la Cour pénale internationale. C'est de dire vous ne pouvez pas vous permettre de. Faire déférer des gens devant votre cour dans des conditions et ne pas faire respecter, respecter le parallélisme des formes. De la même façon que vous faites déférer des gens dans certaines conditions, il faut leur faire, s'ils ont été jugés dignes de rentrer chez eux, il faut leur assurer un retour chez eux et mettre sous contrainte l'État refusant, notamment leur pays natal. C'est là qu'on voit que cette Cour pénale internationale est malheureusement une organisation impériale. Laurent Babo, Dit que la deuxième raison, c'est donc qu'il est maintenu contre sa volonté à l'étranger, alors qu'il devrait avoir le droit de rentrer parler aux siens. Ce qui fait que les siens ont raison d'avoir soif de sa parole. Il a entendu qu'on a besoin qu'il parle. Troisième raison, le président Bagbo dit attention, il y a quand même une date, c'est le samedi 31 octobre, et cette date n'est pas n'importe laquelle. Dans d'autres pays, dans des pays comme la France, la Belgique, je ne sais. Euh, les États-Unis d'Amérique, l'approche de la date des élections n'est pas vécue par les citoyens avec angoisse, avec stress, avec peur. Pourquoi Parce que dans ces pays-là, les constitutions sont respectées. Les lois sont respectées. Il y a concurrence, mais la concurrence se déroule dans un cadre loyal. Et il y a une stabilité des conditions de concurrence depuis parfois des siècles. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, et Laurent Babo soulignera plus tard que c'est surtout le cas de la plupart des républiques d'Afrique francophone c'est-à-dire des républiques non complètement décolonisées. L'approche des élections est toujours une source d'angoisse, une source de doute, une source de souffrance. Pourquoi Parce que les élections sont régulièrement organisées contre les peuples, organisées contre l'expression de la volonté des peuples, organisées pour imposer des satrapes reptiliens, pour imposer des valets de l'ordre français africain de l'ordre impérial. Ah non, le président Babo, je vais vous montrer à quel moment il nous le dit, sans trop le dire. Et il le fait dire davantage par Denise et Poté, d'ailleurs, que par ses propres mots. Mais d'un seul mot, il renvoie à cet argument-là. Donc, la Côte d'Ivoire est dans l'angoisse, la Côte d'Ivoire est à feu et à sang, et il faut s'exprimer. Enfin, le président Babou a donné une quatrième raison qui me paraît fondamentale pour laquelle il s'exprime. Mais il s'exprime parce que lui, il était un ancien chef d'État de Côte d'Ivoire. Il s'exprime parce qu'il est un ancien prisonnier de la Cour pénale internationale, donc quelqu'un qui a quelque chose à dire et qui sait quelque chose de la tragédie de son pays. Il s'exprime enfin en tant que citoyen ivoirien et citoyen conscient de ce qui menace la Côte d'Ivoire. Donc les raisons qu'il a données sont tellement claires et évidentes que la journaliste n'est pas revenue dessus. On passe immédiatement. À la question suivante. On lui demande mais est ce que le rejet de votre candidature, monsieur le président, a été une surprise? Est ce que vous êtes surpris que votre candidature soit rejetée? Réponse de Laurent Babo mais écoutez, non, je ne dois pas simplement être surpris, je dois être choqué. J'ai fait acte de candidature. J'ai fait acte de candidature, mais je ne suis pas le seul en plus à voir ma candidature refusée. Il y avait 44 candidatures. Monsieur Ouattara, à travers les institutions, en a rejeté 40. Et au fond, quelle, quelle est l'explication Pourquoi, pourquoi, pourquoi est-ce qu'on a rejeté 40 candidatures et qu'on en a laissé 4 Le président Babou nous amène à réfléchir au problème. C'est là qu'il va lâcher le mot. Premièrement, tout le rejet de candidatures organisées en Côte d'Ivoire, c'est le fait d'un enfant. Enfant entre guillemets. Puisque le président Babo dit, je trouve ça enfantin. Écoutez, qui a donné l'ordre de rejeter les candidatures du président Babou, du président Guillaume Soro et des 38 autres candidats Qui a donné l'ordre C'est Alassane Ouattara. Qui a donné la liste des candidats à Kone Mamadou pour la lire C'est Alassane Ouattara. Donc, Laurent Babou dit que d'abord, pour comprendre le rejet de toutes ces candidatures, il faut d'abord entrer dans un facteur psychologique, c'est qu'il y a un, un enfant. Il y a un enfant attardé à la tête de la Côte d'Ivoire. Qui est cet enfant La formule du président Babo est la suivante, c'est enfantin. Je trouve cela enfantin. Qu'on se permette donc d'exclure, de multiplier les obstacles pour empêcher les candidatures. Ça, c'est le premier argument. L'enfant attardé, l'enfant régressif dont il est question, c'est Alassane Traman Ouattara. Et je vais vous expliquer. Pourquoi Laurent Babo dit-il que... Alassane Draman Ouattara est enfantin. Ce qu'il veut dire par là, c'est qu'Alassane Draman Ouattara a un problème avec son enfance. Il s'est passé quelque chose dans l'enfance de Ouattara. Ouattara n'a pas été capable de résoudre un problème lié à son enfance et il est en train de faire payer cela aux Ivoiriens depuis 31 ans. Je recommence l'explication. Il y a quelqu'un d'enfantin qui a engendré toutes ces exclusions, qui a engendré... Tous ces rejets de candidature, qui a organisé en réalité la crise préélectorale, la crise électorale, et qui est en train d'organiser la crise post-électorale. Cette personne-là est une personne qui a un problème avec son enfance. Comme on sait que celui qui a ordonné toutes ces exclusions, c'est Alassane Ouattara, on sait donc que l'enfantin dont parle le président Bagbo, l'enfantillage dont parle le président Bagbo, est l'œuvre d'un enfant non réalisé en adolescent et en adulte qui s'appelle Alassane Ouattara. Bon, alors, quel est le problème de Ouattara avec son enfance le problème de Ouattara, c'est qu'il prétend n'avoir pas eu d'enfance. C'est que Ouattara a nié son enfance. Normalement, l'enfance de Ouattara s'est passée en Haute-Volta, entre Sendou, Bobo Diolasso et puis Ouagadougou. C'est là-bas qu'il a vécu son enfance, jusqu'à son adolescence, avec l'obtention du bac au lycée Zenda Kabore. On peut mettre au défi. Les Ivoiriens qui sont capables de raconter l'enfance voltaïque de Ouattara, parce que Ouattara lui-même ne l'a jamais raconté. Je me suis étonné l'autre jour, Alassane Ouattara expliquant les prouesses de l'électrification des villages. Et allant chercher un exemple. Il dit, quand j'étais enfant à Dembokro, on avait souvent des coupures de courant. Donc, Alassane Ouattara est incapable de se souvenir qu'il était enfant plutôt à Sindou, à Bobo Diolasso et à Ouaga. Est-ce que vous comprenez Il était enfant là-bas, à Banfora. Il était enfant là-bas. Il était enfant en Haute-Volta. Et la Haute-Volta, c'est l'Afrique. C'est chez nous, ça, la Haute-Volta. Le Burkina Faso, c'est chez nous. C'est la même Afrique. Ouattara a honte de cette partie de l'Afrique. Une partie de l'Afrique dont Laurent Babo lui-même n'a pas honte. Puisque à un moment donné de sa carrière politique, Laurent Babo dut se réfugier. Burkina Faso, en Haute-Voltaire, pour échapper à la persécution politique en Côte d'Ivoire. Laurent Babo est forcément reconnaissant envers le, la Haute-Voltaire, le Burkina Faso, qui ont été pour lui aussi une terre d'exil. Donc, quand Laurent Babo dit que c'est enfantin, c'est qu'il dit qu'il y a quelqu'un qui a un problème avec son enfance. Il y a quelqu'un qui n'a pas assumé son enfance. Il y a quelqu'un qui n'a pas accepté son enfance. Il y a quelqu'un qui n'est donc pas un adolescent et un adulte accompli. Il y a un très grand psychologue anglais qui s'appelle Wordsworth et il a été repris dans cette formule par le psychanalyste autrichien Sigmund Freud. La citation est la suivante. The child is the father of man. L'enfant est le père de l'homme. Freud reprendra la formule l'enfant est le père de l'homme. signifie cette formule de « what's Elle nous permet de comprendre ce que Laurent Babo nous dit. La manière dont un être humain vit son enfance va déterminer son adolescence et va déterminer sa vie adulte. Freud, en particulier, a montré qu'il y a trois stades par lesquels tous les êtres humains passent quand ils sont enfants. Il y a le stade oral, il y a le stade euh, euh, anal et il y a le stade phallique. Le stade oral, Hein, C'est la première phase où l'enfant, vraiment, tous ses plaisirs tournent autour de la bouche. Le stade anal, quand l'enfant va apprendre la propreté, la maîtrise de ses matières fécales, de ses urines. Et puis le stade phallique, quand l'enfant découvre son identité sexuelle et essaie de définir son être génital en se confrontant avec ses parents, en s'identifiant et en s'opposant à ses parents. Les trois stades-là. Freud a montré que tout être humain qui n'a pas bien vécu ces trois moments va être un adolescent et un adulte malade, c'est-à-dire un enfant attardé. La plupart des maladies mentales viennent d'un épisode de l'enfance qui n'a pas été résolu, qui a été mal résolu, mal négocié. Rien qu'un enfant qui n'a pas bien vécu le stade oral, le stade anal et qui n'a pas bien vécu le stade phallique, ça va être un adulte perturbé, ça va être un éternel enfant. Dans le cas Romano-Ouattara, pour mener une carrière politique en Côte d'Ivoire, il a renié son enfance. C'est-à-dire qu'il a renié son père, il a renié sa mère au sens de leurs origines. Il a renié son identité. Il a renié son histoire. Et il s'est construit sur une histoire inventée, bricolée, une histoire brodée. La conséquence en est que cette histoire ne pouvait qu'être une histoire mégalomaniaque. Même les journalistes de RFI et de France 24 lui ont demandé s'il ne souffre pas par hasard de mégalomanie. Donc, pourquoi des individus comme ça ne peuvent être que mégalomanes parce qu'ils ont un trou derrière eux? Le, le déni de l'enfance conduit à la mégalomanie. Si tu refuses de reconnaître que toi, Franklin Yamsi, ton père et ta mère sont des Camerounais, tu es né au Cameroun, tu as grandi au Cameroun, tu es parti du Cameroun vers l'étranger à 22, 23 ans. Tu es arrivé en Côte d'Ivoire, tu avais 23 ans. Si tu, si tu ne reconnais pas cela, tu vas contracter une maladie. La négation de ton enfance va t'amener à t'inventer un personnage ayant pour but de cacher le vide que tu as créé par la négation de ton passé. Donc le président Babo dit, c'est enfantin. C'est-à-dire qu'il dit que Ouattara a un problème d'enfance. Depuis son enfance, il a un problème. D'ailleurs, le président Babo était l'un des premiers à identifier les conséquences de cette enfance reniée, de cette enfance abandonnée de Ouattara. Il a dit... Ouattara est un menteur. Et il avait rappelé, le président Babo, devant les journalistes français, ce n'est pas une insulte, c'est une description. Quand le président Babo disait ça, on ne voyait pas la richesse de ce qui était dedans. C'est en allant étudier la psychologie de Ouattara que j'ai compris que l'homme avait construit sa personnalité d'emprunt sur le mensonge. C'est pour ça qu'il est mythomane. C'est pour ça qu'il est mégalomane. Et c'est pour ça qu'il est sadique. Parce qu'il ne supporte pas qu'on le ramène à sa vraie réalité. Le président Babo lui dit... Tu es allé Alassane Raman Ouattara sur le monde, tu es allé sur euh, le JDD où tu m'as manqué de respect. Tu m'as traité d'épileptique, Alassane Raman Ouattara. Moi, je te dis que pourtant tu es un homme de pratiquement 80 ans, 80, 80 ans, mais tu n'es en réalité qu'un enfant attardé. À Alassane à Ouattara, tu es un homme qui a eu une mauvaise enfance et qui n'a pas su surmonter sa mauvaise enfance. Parce que, comme l'a montré Boris Cyrulnik, un autre psychiatre très intéressant, Contemporain, ce n'est pas parce qu'on a eu une mauvaise enfance qu'on va être un mauvais adulte, parce qu'il y a des êtres humains qui sont capables de développer une qualité qui s'appelle la résilience, c'est-à-dire la capacité de combler les souffrances de l'enfance par l'amour, par l'intelligence, par le courage. Le problème de Ouattara, c'est que ce n'est pas un résilient, il n'est pas courageux. Il a donc construit sa personnalité sur un château de cartes, le mensonge. Donc Laurent Babot très subtilement nous dit Nous avons été exclus. 40 d'entre nous avons été exclus de l'élection présidentielle de notre propre pays par un malade mental, un psychopathe souffrant de son enfance. Car celui qui a fait cela a agi de manière enfantine. Autrement dit, c'est quelqu'un qui continue à résoudre un problème qui date de son enfance. Voilà la profondeur du président Babou. Je vous ai dit que cette fois-ci, il ne s'amusait pas. Il parlait peu et dans le peu là, il mettait tout ce qu'il faut. Mais il a donné une deuxième raison pour laquelle c'est inacceptable. Le fait que ces candidatures aient été rétoquées. Le président Babou est très attaché à la démocratie au sens du droit des citoyens de toutes conditions de participer à la concurrence politique. Si la démocratie, dans sa définition la plus large, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, il s'ensuit qu'on ne peut pas dire qu'on est en démocratie en mettant des critères de richesse, en mettant des critères de nombre de parrainage en avant pour. La qualification à l'élection maire du système démocratique républicain, l'élection présidentielle, l'élection au suffrage universel direct. Laurent Bagbo a donc ressorti ici un argument qui vient de sa conviction de démocrate et de socialiste. À savoir qu'on ne peut pas dire qu'on est démocrate et socialiste et mettre en place un dispositif, des conditions d'accès à la candidature à l'élection présidentielle qui exclut les paysans, la plupart, exclut la plupart des ouvriers, parce que Ouattara, a mis en place une loi électorale qui exclut la plupart des paysans. L'écrasante majorité des paysans ivoiriens ne peut pas être candidat. L'écrasante majorité des ouvriers ivoiriens ne peut pas être candidat. La totalité, la totalité des ouvriers ivoiriens ne peut pas être candidat. La totalité de la classe moyenne ivoirienne ne peut pas être candidat. Mais Alassane Ouattara, les critères qu'il a mis en place empêchent même une bonne partie de la haute bourgeoisie intellectuelle ivoirienne d'être candidate. Parce que où est-ce que tu vas prendre 50 millions, 100 millions pour une caution, pour une campagne. Où est-ce que tu vas les prendre Même quand tu es, je ne sais pas, professeur de l'université, maître de conférence, professeur des lycées, instituteur, tu ne peux pas participer à cette élection dans les conditions que Ouattara a mises en place. Et il s'est permis de les dire publiquement qu'on ne va pas laisser n'importe qui être candidat. Est-ce que la Côte d'Ivoire est une plutocratie Plutos en grec, riche, kratos, le pouvoir est-ce que la Côte d'Ivoire est une république ou est-ce que la Côte d'Ivoire est une plutocratie, c'est-à-dire un régime de la privilégiature des riches Le président Babou a sorti donc un argument contre la plutocratie. Il a dit soyons démocrates, puisque nous sommes en république. Ce pays n'appartient pas aux Ivoiriens les plus riches. Il n'appartient pas aux Ivoiriens les plus pauvres. Il n'appartient pas aux Ivoiriens la classe moyenne. Il appartient à la totalité du peuple ivoirien. C'est donc absurde que l'on multiplie des obstacles à la concurrence politique loyale entre les citoyens. Il faut laisser, autant que possible, des citoyens de toutes conditions envisager de se présenter à la mère des élections. Et c'est cela, l'égalité citoyenne, l'égalité républicaine. Donc, le président babo a été très pédagogue sur ce point. Il a dit, mais écoutez, c'est juste pas possible. On ne doit pas multiplier les obstacles sur la route des candidatures. C'est une discrimination évidente. Donc, Alassane Ouattara, qui s'est plaint d'avoir été exclu de la candidature, Alassane Ouattara est le plus grand discriminateur à l'élection présidentielle de tous les temps. Jamais à l'élection présidentielle, on a aussi violemment exclu des candidats de toute extraction. Il faut donc ici s'intéresser à la suite. On pose au président Laurent Gbagbo une quatrième question. Monsieur le président, depuis l'annonce de la candidature de monsieur Alassane Draman Ouattara, la Côte d'Ivoire est en crise préélectorale. Là, je voudrais saluer Denise Epoté. Pour la qualité de sa question. Elle n'est pas entrée à gauche et à droite. Elle est partie de l'évidence. La Côte d'Ivoire est à feu et à sang depuis le 6 août 2020, quand Ouattara a ouvert sa bouche et a dit J'ai décidé d'être candidat. Terminé. La Côte d'Ivoire a perdu sa, sa tranquillité. Donc, le déclencheur de la crise préélectorale, électorale et de la future crise post-électorale ivoirienne, c'est bel et bien Alassane Draman Ouattara. C'est lui le coupable. Et la question est la reconnaissance d'une évidence que la Chambre des représentants des États-Unis a reconnue dans sa résolution du 24 septembre 2020, une évidence que la Cour africaine des droits de l'homme a reconnue, une évidence que l'Union européenne a reconnue, une évidence que la vice-présidence européenne de l'Union de, de, chargée des droits de l'homme a reconnue, la députée Marie Arena, une évidence qui a été reconnue par le président Tabombeki dans sa lettre sortie le 25 octobre. Adressé au truand Moussa Faki Mahamad de l'Union africaine. Tout cela a été reconnu avec évidence. Donc, euh, le président Babo, on lui demande ce qu'il pense de la colère qui se lève dans la population. Et c'est là que le président Babo ne passe pas par quatre chemins. Il utilise deux formules. Il dit un, je la comprends, c'est-à-dire que c'est une colère logique. C'est une colère légitime. D'abord, elle est logique. Pourquoi Parce que qu'Alassane Ouattara, a violé la constitution. Laurent Babo va donner les arguments après. Elle est légitime, pourquoi Mais parce que c'est le peuple qui est le souverain, ce n'est pas Ouattara qui doit imposer qui doit être président en Côte d'Ivoire. C'est le peuple de Côte d'Ivoire à travers la loi, sa constitution. Mais le président Babo va plus loin et c'est là qu'il marque l'interview de sa détermination. Il dit, je la comprends et je la partage. Qu'est-ce qu'il comprend Il comprend la colère des Ivoiriens. Et qu'est-ce qu'il partage Laurent Babo dit qu'il partage la colère des Ivoiriens. Lorsque Laurent Babo vous dit qu'il est en colère, tout en restant calmement assis à sa place, cette colère s'appelle une colère froide. C'est-à-dire que Laurent Babo est objectivement d'accord avec tous les Ivoiriens qui sont en désobéissance civile. Et il est froidement, fermement d'accord. D'ailleurs, il dira plus loin, je suis dans l'opposition, je suis avec l'opposition. Des formules très clair et qui répondent in fine à Bictogo et Ouattara, qui croyaient pouvoir utiliser le silence du président Babo comme un moyen pour fissurer l'unité d'action de l'opposition. Le président Babo dit, je la comprends et il dit, je la partage. Donc nous aussi, nous allons expliquer ce que le président Babo dit avoir compris, ce qu'il a compris dans sa compréhension de notre point de vue. Et ensuite, les raisons pour lesquelles et comment le président Babo partage cette colère. Comment pense-t-il la partager c'est-à-dire comment lui aussi participe de la colère. D'abord, comment le président Babo comprend-il la colère Le président Babo comprend la colère à partir d'un argument, un argument principal. Il dit, quand on écrit des textes sans y croire, on est dangereux. Quand on a écrit dans une constitution que le nombre de mandats présidentiels est de deux, il faut le respecter. Il ne faut pas chercher à vouloir un troisième mandat. Ce qui me plaît dans cette, ce premier argument de compréhension du président Babo, c'est que le président Babo dit voilà, pour savoir qui a le droit d'être candidat, il suffit d'ouvrir la constitution de Côte d'Ivoire de 2016 en son article 55 et on lit, le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans, il n'est rééligible qu'une seule fois. Tout le monde sait que Ouattara a été proclamé élu en 2010, il a été proclamé réélu en 2015. Donc, Ouattara a été, conformément à l'article 55, élu et réélu. Tout le monde sait donc que ça veut bien dire que Ouattara n'a pas droit à un troisième mandat. Ce que j'apprécie ici, c'est que le président Laurent Gbagbo bat en brèche l'erreur que certains voulaient commettre, celle de prétendre que la constitution de 2016 était ce qui aurait permis à Ouattara d'envisager un troisième mandat. Laurent Gbagbo dit non. Laurent Gbagbo dit aucune interprétation de la constitution de 2016. N'envisage la possibilité d'un troisième mandat parce qu'il suffit de lire l'article 55. C'est écrit dedans que le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans. Il n'est rééligible qu'une seule fois. Donc les textes de la Côte d'Ivoire actuellement n'autorisent pas Ouattara à être candidat. Voilà ce qu'a dit le président Babou. Et il a rappelé que cette disposition n'a pas été changée parce que dans la Constitution de 2000, c'est ce qui était déjà écrit dans l'article 35, alinéa 1. C'est la même chose. Donc Laurent Babo campe sur un argument évident, l'argument que les plus grands constitutionnalistes ivoiriens et internationaux ont validé, c'est l'argument de la continuité législative qu'il y a entre l'article 35, alinéa 1 de la constitution de 2000 et l'article 55, alinéa 1 de la constitution révisée en 2016. Selon cet article, Alassane Draman Ouattara ne peut prétendre ni à un troisième mandat, ni à un premier mandat d'une troisième république, en tout cas il ne peut pas prétendre à nouveau à la candidature à l'élection présidentielle. Laurent Babot dit donc que le problème de la Côte d'Ivoire est venu du fait que Ouattara ne respecte pas les textes. Ouattara est un enfant vieillard, un enfantin vieillard en difficulté avec la loi. Je vous ai déjà démontré dans d'autres conférences que Alassane Draman Ouattara est non seulement un légicide, c'est-à-dire c'est un, un tueur de loi, c'est un légiphobe, c'est-à-dire qu'il a peur de la loi. Et même que Alassane Ouattara est un légigène, c'est-à-dire qu'il est allergique à la loi. D'abord, Ouattara est un légicide. Vous avez vu Alassane Ouattara tuer définitivement l'Assemblée nationale, tuer le pouvoir législatif. Il a tué la séparation des pouvoirs. Vous avez vu Ouattara détruire la justice ivoirienne. C'est lui qui donne les, les peines. C'est lui qui a donné 20 ans au président Bagbo, 20 ans à Guillaume Soro, 20 ans à Simone Bagbo, 20 ans à Kossi Benjo. Les 20 ans, 20 ans là, c'est Ouattara. Donc il a. Il a détruit le principe de la séparation des pouvoirs. C'est un tueur de loi. Et la République n'existe que parce que le législatif, l'exécutif le, et le judiciaire sont séparés. Ouattara les a confondus, tout est dans sa main. Il contrôle actuellement la commission électorale. Il contrôle actuellement la totalité du Conseil constitutionnel. Donc, Ouattara a tué la loi. D'ailleurs, il a dit qui connaît mieux la constitution, la République, le Côte d'Ivoire que moi? Ce qui veut dire que Ouattara a phagocité la Constitution. Voilà pourquoi l'autre jour, dans son, son émission, la Constitution est sortie de sa poche. Ouattara dit que la Constitution de la République de Côte d'Ivoire lui appartient. Il dit que lui, il a toujours dans sa poche. Quand quelqu'un utilise la métaphore, j'ai toujours la Constitution de la Côte d'Ivoire dans ma poche, c'est-à-dire que c'est mon affaire. La Constitution de la Côte d'Ivoire, c'est comme mes pièces personnelles. C'est comme mes billets de banque que je peux avoir dans la poche. Alassane Ouattara a une conception subjective de la loi fondamentale. Pour lui, la constitution, c'est lui. D'ailleurs, dans son interview au monde, il a dit qu'il allait la changer dans tous les sens, qu'il allait la changer pour dégager Bédier, dégager Babo, dégager qui il veut. Ouattara a montré qu'il ne sait pas ce que c'est qu'une constitution et qu'il n'a jamais su. Ouattara est légiphobe, il déteste les lois. Il a montré à partir déjà précisément de sa première tentative de coup d'État en, en 1993. À l'époque... L'article 11 de la Constitution, si je ne m'abuse, prévoyait que ce soit le président de l'Assemblée nationale qui assure l'intérim du président de la République. Ouattara a enjambé cet article et il voulait faire un coup d'État. N'eussent été les généraux, le général Robert guy, chef d'État-major, qui n'a pas obéi ce coup-là, il devait obéir plus tard, et le secrétaire général, le ministre Laurent Dona Fologo du rda Ouattara serait passé à l'acte. Piétinant la Constitution, alors même que le corps du président Oufoué-Boigny n'était même pas encore complètement refroidi dans la tombe. Alassane Ouattara n'a jamais respecté la loi. S'il avait respecté la loi, il aurait accepté le verdict, même injuste, du Conseil constitutionnel en 2000, en octobre, quand il a été écarté. Il aurait accepté le verdict du Conseil constitutionnel en 2010, en décembre, quand on lui a dit qu'il a perdu. Si Ouattara était un légaliste, il n'y aurait pas eu toutes les guerres de Côte d'Ivoire. Donc, c'était un ennemi de la loi. Et enfin, Ouattara, il est légigène. C'est-à-dire que dès qu'il sent quelque chose qui est conforme au droit, il a des allergies. Il a des poussées à Alassane Ouattara. La preuve, il y a quatre décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui sont opposables aujourd'hui au gouvernement Ouattara de Côte d'Ivoire. Il n'a pas appliqué une seule. Et il a dit que ces décisions internationales étaient nulles et de nul effet. Ça vous fait suffisamment d'exemples? Ou comprendre que ce monsieur a un problème avec la loi. C'est un, un adulte enfantin en difficulté permanente avec la loi. Un individu légicide, légiphobe et légigène au sens d'allergique à la loi. Laurent Babos s'interroge en profondeur. Comment Ouattara peut-il avoir imaginé qu'il avait droit à un troisième mandat alors que les textes sont clairs Et Laurent Babos en profite pour donner une une leçon de, de démocratie. Il va donner une leçon de démocratie qui, à mon avis, est vraiment, elle est vraiment très intéressante, mais ce sera à la question suivante. En tout cas, ce qu'il rappelle ici, c'est que le, le simple respect des textes de, permettrait de sortir de la crise ivoirienne parce que les sociétés humaines ont ceci de particulier, qu'elles vivent conformément à des règles. Si on ne respecte pas les règles, la société se dérègle et la société va au conflit. Alors, question numéro 5. La situation en Côte d'Ivoire, monsieur le président Babo, est préoccupante. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment la Côte d'Ivoire peut-elle se tirer d'affaires, à votre avis Laurent Babo répond très clairement, il y a un seul remède à cette situation préoccupante, c'est la discussion de tous les hommes politiques. Et alors on essaie de lui demander de citer le nom de ces hommes politiques. Laurent Babo, lui, ne cite pas le nom de quelqu'un. Il dit tout ce dont vous parlez, mais le champ politique s'est élargi. Donc, il veut dire par là, il n'y a pas que Ouattara. Euh, Babou Bédier, mais il y a les Guillaume Soro, il y a, il y a, les, les, il y a les Pascal Afinguesan, il y a les Mabri Toaqueus, il y a les, 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 les Marcela Montano, il y a les Mamadou Koulibaly. Tous les hommes politiques et les femmes politiques, les Daniel Boni laverie tout ce monde-là doit pouvoir être convié à discuter. C'est la solution. Laurent Babou rappelle qu'il est l'homme de l'asseyons-nous et discutons. Qu'est-ce qu'il veut dire par là Laurent Babou veut dire on peut encore éviter. On peut encore éviter ce qui risque de se passer samedi 31 octobre. On peut encore l'éviter si Alassane Draman Ouattara prend conscience à cet instant présent, aujourd'hui, jeudi 29 octobre, qu'il va vers ce que le président Babou a appelé la catastrophe. Il amène la Côte d'Ivoire vers la catastrophe. Laurent Babo dit le 31 octobre, c'est le jour de la catastrophe recherchée par Alassane Ouattara. Par la violation de la Constitution. Qu'est-ce que c'est qu'une catastrophe Une catastrophe, c'est une autodestruction dont les conséquences sont difficilement maîtrisables par toutes les parties en conflit. Une catastrophe, c'est l'équivalent, toujours dans la langue grecque, du mot apocalypse, c'est-à-dire l'ouverture d'une boîte de Pandore dont des malheurs insoupçonnables peuvent surgir. La catastrophe, c'est-à-dire la perte de contrôle de la situation. Pour Laurent Barbeau, il n'y a qu'une solution c'est de discuter. Or, Laurent Bobo est parfaitement conscient du fait que Ouattara ne veut pas discuter. Qu'est-ce qu'il a choisi, Ouattara Il a monté une milice qui est en train d'ensanglanter la Côte d'Ivoire, plus de 70 morts. Qu'est-ce qu'il a choisi, Ouattara Le mensonge, il a inventé des formules à alambiquées comme premier mandat de la Troisième République, qui sont répétées par les, les moutons de son parti, le restaurant, mais qui ne correspondent à aucune notion juridique ni intellectuelle jamais connue dans l'histoire du droit africain même. Premier mandat de la Troisième République, c'est du jamais vu. Ça n'a aucun sens. Et Laurent Babou est parfaitement conscient qu'Alassane Ouattara a choisi de refuser le dialogue. Il a choisi de refuser la mise en commun des réflexions sur la sortie de crise. Mais il dit pourtant que, qu'on monte ou qu'on descende, la solution à la crise ivoirienne sera le dialogue. La solution à la crise ivoirienne sera le dialogue, qu'on monte ou qu'on descende. Alors, J'aimerais en particulier ici euh, creuser la notion de dialogue sur le président Barbou. Qu'est-ce qu'il entend par le dialogue Est-ce que vous pouvez l'apprendre Allez, c'est la petite Emma. C'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il entend par le dialogue Premier, Première chose, le dialogue, ça veut dire que celui qui détient les armes et qui braque la population baisse les armes. Il arrête de braquer la population. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le dialogue, ça veut dire que les prisonniers politiques sortent de prison. Parce qu'il ne peut pas y avoir de dialogue, les uns étant en prison et les autres dehors. Le dialogue, quelle est sa condition Le dialogue, c'est le retour des exilés politiques, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des gens qui sont hors du pays et qui ne peuvent pas participer à la discussion sur l'avenir du pays. Le dialogue, quelle est sa condition Mais qu'on accepte de regarder ensemble les listes électorales pour voir si les noms qui sont là-dedans sont des noms des nationaux ivoiriens. Le dialogue, qu'est-ce que ça veut dire Mais qu'on accepte de mettre ensemble. En place une commission électorale véritable, c'est-à-dire une commission électorale qui ne soit pas soupçonnable de travailler pour un camp. Le dialogue, c'est quoi C'est qu'on regarde objectivement la composition du Conseil constitutionnel et on reconnaît que ce Conseil constitutionnel n'est pas équitable, que c'est une boîte, un répondeur de la Sainte Ouattara. Mais le dialogue, en fait, consiste à remettre à plat les conditions actuelles pour voir objectivement, à l'issue de la discussion, ce qu'on doit faire pour que. La compétition soit loyale. Le dialogue, c'est que Ouattara n'a pas le droit d'être candidat. Le dialogue n'est pas pour but de dire, bon, Ouattara, on va accepter que tu sois candidat, mais nous aussi on va l'être. Non, le dialogue a pour but de dire, Alassane, lisons la constitution, tu n'as pas le droit d'être candidat. Repoussons les élections, ce qui te laisse le temps avec ton parti, le RHDP, de choisir votre candidat. Et puis affrontons-nous à la régulière. Si vous gagnez, vous gouvernez. Si vous perdez, vous passez dans l'opposition et la Côte d'Ivoire vit. En fait, le dialogue chez le président Babou ne veut pas dire la remise en cause de la Constitution, non. Le dialogue a pour but que chacun renonce à régler les problèmes par la force et que tous acceptent que le droit, la raison, la discussion, la vérité partagée deviennent le fondement de la cité. Et c'est ainsi que viendra la paix. Alors on pose au président Laurent Babou la question suivante. Alors mais finalement, vous avez une part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Est-ce que la solution, ce n'est pas le retrait de la vie politique des trois principaux acteurs de ces 30 dernières années, que sont le président Bédié, le président Barbo, le président Alassane Raman Ouattara. Si vous vous retirez, est-ce que la Côte d'Ivoire ne va pas respirer Le président Barbo fait remarquer que cette solution est une solution antidémocratique. Oui, c'est antidémocratique parce que c'est la Constitution qui dit qui doit se retirer de la vie politique. Quant au retrait de la vie politique, c'est chaque citoyen qui décide pour lui-même. Nous ne pouvons pas nous lever et dire, monsieur le président Babo, retirez-vous. Monsieur le président Bédier, retirez-vous. Nous ne pouvons même pas nous lever et dire, monsieur le président Ouattara, retirez-vous. C'est la constitution qui le dit en démocratie. Ce n'est pas une affaire d'appréciation personnelle. C'est la constitution qui dit, monsieur Ouattara, vous avez fait, vous avez été élu et réélu deux fois. Ça suffit. Selon la loi. Monsieur Bédier, vous n'avez pas été élu. Et réélu. Eh bien, dans ce cas-là, effectivement, vous pouvez être candidat. Conformément à la loi. La loi qui date de 2000. Il faut prendre à partir de 2000. C'est là que le principe a été introduit. Euh, monsieur euh, Barbeau, vous n'avez pas été élu et réélu. Donc, vous avez droit à la candidature. C'est la loi qui le dit. Ce n'est pas une affaire d'appréciation personnelle. C'est-à-dire que je ne me lève pas je dis bon, le président Barbeau n'a plus le droit de faire de la politique. C'est à lui. C'est à lui. De décider en ce qui le concerne individuellement, s'il si ne veut plus être candidat à l'élection présidentielle. C'est au président Bédier de décider en ce qui le concerne individuellement, s'il ne veut plus être candidat. Alassane Ouattara n'a pas ici un pouvoir de décision individuelle, parce que c'est la loi qui dit tu as fait deux mandats, c'est bon, tu quittes. Donc Laurent Bagbo fait remarquer que c'est antidémocratique de procéder comme cela. Parce que si on procède comme cela, cela voudra dire que. On se met une fois de plus à l'écart de la loi pour forcer des citoyens à exécuter la volonté de quelques citoyens particuliers. Cet argument-là est vrai. Il est incontestable. C'est antidémocratique de demander à quelqu'un dont on sait pourtant que la Constitution ne l'empêche pas d'être candidat, lui demander de se retirer. C'est antidémocratique. Ce que le président Babou n'a pas dit, c'est quand même que, que ce soit lui, le président Bédier ou même le président Ouattara, ils ont ce qu'on appelle une parole publique. Et ils se sont déjà publiquement exprimés en disant que les âges auxquels tous sont parvenus ne sont pas bons pour la présidence de la République. Moi, en tant qu'analyste politique, je rappelle cela. Et euh, Denise Poté aurait pu rappeler au président Babo, oui, la loi ne vous interdit pas d'être candidat, mais vous avez déjà dit, nous avons la vidéo, qu'au-delà de 75 ans, ce n'est pas bon. Sur ce point, je voudrais vous dire que le président Babo ne m'a pas paru être forcené, obsédé par l'idée d'une candidature à l'élection présidentielle. C'est pas vraiment. Bien qu'il ait le droit d'être candidat, comme il l'a montré, l'homme que j'ai entendu parler, c'est quelqu'un qui privilégie d'abord une solution pour la Côte d'Ivoire. Il n'a pas beaucoup parlé de lui. Il a même dit de toutes les façons la Côte d'Ivoire a été capable de vivre pendant 10 ans sans moi et sera capable de vivre après sans moi. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que c'est la Côte d'Ivoire qui est en danger maintenant. Ce n'est pas la carrière politique de Babou, de Ouattara, de Bédier ou de Soro ou de, je ne sais pas, Mamadou Koulibaly qui est en danger. C'est la Côte d'Ivoire. Donc, moi j'aurais, de façon critique, rappelé au président Babou qu'il avait dit qu'au-delà de 75 ans c'est bon. Rappelé au président Ouattara lui que lui il a multiplié des paroles publiques pour dire qu'il va passer le pouvoir à une nouvelle génération, jusqu'à devenir lui-même la nouvelle génération en question, comme l'a montré son clip tordu où il joue au foot avec des individus qui ne peuvent même pas courir cinq minutes derrière une balle. Euh, on pouvait rappeler, bien sûr, cela au président Bédier, qui lui aussi avait dit qu'à partir d'un certain âge, ils ne s'imaginaient pas être dans la course. On peut leur rappeler leur parole, parce que cette parole donnée fait partie de ce qu'on appelle l'éthique du politique. Ça, on peut leur rappeler, et ça, c'est le seul argument valable, à mon avis, contre les trois. Ils ont déjà dit que l'âge auquel ils sont parvenus n'était pas bon. Moi, en tant qu'analyste politique, je le rappelle. Et je dis, c'est aussi important de tenir sa parole. Quand on dit des choses, il faut les respecter, même si ce n'est pas légal. Et même si cela, cette parole n'a pas une contrainte judiciaire, juridique, on ne peut pas utiliser cette parole contre le président Babo d'un point de vue juridique pour lui dire, vous n'avez pas le droit à la candidature. Mais il a déjà dit ça, les vidéos existent. Et ceux qui en doutent, qu'ils tapent et ils vont voir ce qu'ils ont déclaré à ce propos. Cela étant dit, le président Babou a sorti un argument qui a mis la journaliste en difficulté. Et c'est là où j'ai dit, mais le président Babo, il, il est resté dialecticien. Il est allé chercher des exemples dans les, hommes, les grands hommes politiques français. Bon, vous savez pourquoi il a cherché du côté de la France Parce qu'en fait, la, la durée de vie des hommes politiques français, elle est un peu exceptionnelle. Hein? Ce n'est pas le cas dans la plupart des démocraties occidentales. La, dans la plupart des démocraties occidentales, bon, les, les hommes politiques traînent là entre 10 et 15 ans. Après, ils se retirent. Mais en France, il y a une particularité c'est qu'il y a des hommes politiques qui ont une longévité extraordinaire aux premières loges de la vie publique. Le président Babou a choisi Esprit, De Gaulle, Mitran et Chirac. Bien sûr, il valait mieux choisir De Gaulle, Mitterrand et Chirac que de choisir Alain Poët ou, je ne sais, Georges Pompidou. Parce que on peut trouver des exemples d'hommes politiques français qui ont eu des carrières très brèves. Le président Babou, qui est un historien est très rusé, il amène Denise Epoté sur un terrain où lui, il a ses dates et il attend la journaliste au courbon. Quand la journaliste avance, il, il lui sort des hommes politiques qui ont eu des carrières exceptionnellement longues. Il dit, bon, prenons le général De Gaulle. C'est de 1940 à 1969. Ça fait combien d'années? De 40 à 69, ça fait une carrière politique de 29 ans. Bon, Laurent Babot dit, bon, est-ce que moi j'ai fait 29 ans de carrière politique? Bon, Denise Poté est un peu gêné. Laurent Babo, qui est un dialecticien rapide, il, il, il lui colle un deuxième exemple dans les côtes, littéralement comme un hypercute. Il dit, mais ensuite il y a Mitterrand. Et Denise Zépoté qui se dit, j'ai enfin trouvé quelqu'un qui n'a pas fait une longue carrière politique. Elle lui dit « Mais il a fait 14 ans au pouvoir. » Parce qu'à l'époque, il y avait le septennat. Et Mitterrand a effectivement fait deux septennats, donc 14 ans au pouvoir. Laurent Babo dit « Non, je ne parle pas de la durée au pouvoir. Je dis la durée en première ligne. <laughs> » Parce que Mitterrand, lui aussi, il a commencé dans les années 40. Il a été opposant. Il a été ministre. Il a été opposant avant d'être président. Vous, vous voyez seulement quand il devient président, en 1981. Mais Mitterrand, il était là depuis les années 40. Depuis le temps de De Gaulle, il était là. Donc Laurent Babo prend ses exemples pour dire à Denise Zépothé que la longévité politique n'est pas forcément un signe antidémocratique. Ce qui est important, c'est de savoir si les textes sont respectés. Et je trouve que l'argument du président Babo est inattaquable sur ce chapitre. D'ailleurs, pendant que Denise Zepothé était embêté avec euh, le deuxième exemple, bien cherché, hein, parce qu'il y a des hommes politiques avec des carrières très brèves. Hein, pas eux, que Laurent Babo les connaît tous. Hein. Il n'a pas cité ceux qui ont fait 5 ans, 6 ans, 7 ans. Non, non, non. Il est allé prendre ceux qui ont beaucoup duré. Mais ceux qui ont beaucoup duré sont les moins nombreux. Ceux qui ont beaucoup duré la, dans la vie politique française, ils sont les moins nombreux. Ceux qui ont duré très... Si on demande à chacun d'entre nous maintenant de donner qui était le président de la Troisième République en France, qui a été président sous la Troisième République, qui a été présent sous la Deuxième, qui a été sous... Vous allez voir, il y a tellement une multitude de noms qui se sont effacés dans la mémoire même des Français. Mais ils ont été présidents, présidents du Conseil, chefs de l'État, hein, depuis le temps, des, euh, depuis, de, de, depuis le temps euh, du début du XIXe siècle, donc quand la République a été fondée, jusque pratiquement, jusque pratiquement à De Gaulle, il y a eu une multitude de présidents en France, mais qui sont passés, parfois même ils ne duraient pas trois ans, ils passaient. C'était l'instabilité parlementaire qui entraînait l'instabilité des présidents du Conseil. Hein, si on vous demande qui était le président Lebrun, hein, vous ne pourrez pas dire. Eh bien, il était président en France. Il y avait un Lebrun président en France. Hein, on va vous demander qui était elle Sadi Carnot, c'est qui Si on vous demande qui était le président Sadi Carnot, il a été quand Laurent Babo qui est un historien de métier, il a bien choisi ses. Il a bien choisi ses, 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 ses exemples pour mettre Denise Époté en difficulté et dire, ici en France, ici en Belgique, il y a des gens qui ont des carrières politiques très longues, ce n'est pas perçu comme antidémocratique. Vous ne pouvez pas utiliser ça contre le président Bédier, contre Laurent Babo ou contre Alassane Ouattara. Ce qu'il faut nous demander, c'est de respecter les textes. On lui dit non, il y a des gens qui disent que vraiment il faut que vous partiez pour que la jeunesse, il y a des jeunes qui disent qu'il faut que vous partiez pour qu'eux aussi essayent leur, leur, leur temps. La jeunesse revendique. Et là, Laurent Babo, qui est très rusé encore, j'ai retrouvé l'animal politique, il est en super forme. Hein. Il fait une réponse qui peut vous avoir échappé à tous. La réponse qu'il a faite. Quand on a dit non, il y a des jeunes euh, qui, qui demandent que vous partiez, vous les trois là, les trois vieux, partez et puis la jeunesse va aussi. Et puis il dit non, ce n'est pas la jeunesse ivoirienne qui dit ça, hein. ce sont les autres qui parlent pour la jeunesse. Ça, c'est une critique soft, mais puisque maintenant on est dans l'unité de l'opposition, il ne cite pas quelqu'un, mais c'est une critique soft envers toute la nouvelle génération, incarnée par les Guillaume Tigbafori Soro, Mabri Toaqueuse etc., qui peuvent dire, vraiment, les trois vieux, là, on est fatigués d'eux. Il faut qu'Alassane, euh, euh, Bédié euh, euh, et Babou qui se repose c'est notre temps. Donc, Laurent Babou dit que ce sont, ces, ce sont ces, ces, ces cadres politiques intermédiaires entre la jeunesse de 20 ans et puis, eux, les 70 ans, 80 ans, ce sont eux qui disent que c'est ce que les jeunes disent, mais que c'est pas ce que les jeunes disent. Donc, Laurent Babou implicitement dit que lui, il sait que les jeunes le veulent encore, lui, lui, Babou. Que les jeunes le veulent. Et qu'il y a d'autres qui disent que c'est les jeunes qui les ont envoyés pour les représenter. Ce n'est pas vrai. Ce qui annonce une très belle campagne euh, présidentielle à venir, puisque Laurent Babo sera candidat, et que par exemple notre leader, Guillaume Kibafouris Soro à GPS, sera candidat. Ce sera une très belle campagne à la régulière, argument contre argument. Donc Laurent Babo dit non, ce n'est pas les jeunes Ivoiriens qui disent ça. J'ai noté la phrase, ce sont les autres qui parlent pour notre jeunesse, les autres. Les autres dont il parle là, c'est les autres candidats. Parce que Laurent Babo, il est candidat, hein? <laughs> il est candidat à l'élection présidentielle. Il, il n'a pas oublié ça. Même si ce n'est pas la priorité, il en profite pour donner un petit coup de coude à ceux qui veulent pousser tous les vieux dans l'escalier. Il dit, on n'est pas fini. On n'est pas fini, là où on est là. On, on, on a encore des choses à faire et on a encore des choses à prouver. Alors ça, il le glisse comme ça dans une réponse à Denise Epoté et moi qui observe l'homme depuis très longtemps je retrouve donc ces réflexes il est en super forme il dit tout ce qu'il veut dire sans en donner l'air sans en donner l'air donc il dit attention il y aura compétition hein. si vous pensez que et je crois que implicitement il dit ça aussi à Blégoudé hein. et il dit même surtout ça à Blégoudé parce que Charles Blégoudé est là en embuscade il pense que Babo c'est lui dans <laughs> La, 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 la nébuleuse de ce qu'on a appelé la refondation, il pense que c'est lui qui va récupérer l'héritage. Or, oh, le président Babo lui dit que non, vous, vous pensez que c'est vous qui représentez les jeunes, mais les jeunes nous disent que nous, on est encore bon pour l'emploi. Le, pour Donc, il lui dit faut attendre encore. Je suis encore bon pour les jeunes. Vous voyez comment derrière une phrase comme ça, il y a autant une phrase à la concurrence qu'à sa propre jeune garde, lui, Laurent Babo, de son propre camp. Il dit à tout le monde je suis là. Soyez sûr, je suis de retour. Et les jeunes ont besoin de moi. Donc, on a un Laurent Babo très déterminé qui s'exprime de cette façon-là. Et j'ai trouvé très intéressant ce jeu de mots, cette nuance qui pouvait échapper à ceux qui écoutent de manière distraite et qui avaient pour but de dire non, 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 moi, Laurent Babo, je prétends encore être aimé par la jeunesse. Je prétends que les jeunes seraient capables de voter pour moi et non pas pour ceux qui prétendent représenter la jeunesse. Eh bien, je dis au président Babo, ça va être donc la promesse d'une vraie compétition. Parce que nous, on compte le battre, battre le président Bédier et, et tous les autres lors d'une vraie compétition. Ils, ils n'ont qu'à être candidats. Nous, on compte vraiment les battre et on va défendre nos candidats comme leurs candidats vont, vont les défendre. Et ce sera la démocratie. Le meilleur gagnera et la Côte d'Ivoire sera apaisée. Donc, Laurent Babo conclut en disant il ne faut pas penser que le départ de trois va tout régler. Non, ce qui va tout régler, c'est le respect des règles. Et j'ai aimé cette vérité que le président va dit. Ce qui va tout régler en Côte d'Ivoire, ce n'est pas de jeter les vieux, et les pousser dans l'escalier. Non, c'est de faire respecter les règles par tout le monde. Si on fait respecter les règles par tout le monde, celui qui gagne l'élection est président. On le laisse présider. Soit on est en alliance avec lui, soit on est dans l'opposition. Et puis on se bat pour convaincre les Ivoiriens de voter pour soi et pour devenir président. C'est tout. Respecter les règles. Laurent Babo dit, la solution, c'est le respect des règles. S'il y a un mot qu'il faut garder ici, c'est la notion de respect des règles. Et Denise Héphée Durand lui pose une septième question. Mais quelle solution finalement Monsieur le Président Babo, finalement la solution pour vous, c'est quoi Là, Laurent Babo donne un cours de démocratie. Parce qu'il y a des gens, surtout les gens du RHDP, là, et certains de nos militants de tous bords, qui n'ont pas encore compris ce que c'est que la démocratie. Laurent Babo a donné un résumé de la doctrine du régime démocratique dans son interview aujourd'hui. Laurent Babo dit, il y a trois idées fondamentales que tout le monde doit se marquer dans le crâne quand il entre dans un régime de type démocratique. Trois idées clés. Si vous oubliez une seule de ces idées, vous n'êtes plus en démocratie. Première idée clé, on va vers le régime démocratique quand on accepte de vivre, non, quand on accepte que tout le monde n'est pas d'accord. Ce principe-là, je l'appelle le principe du pluralisme. Moi, j'utilise un concept pour désigner ce que le président Babou voulait dire. Qu'est-ce que c'est que la démocratie C'est un régime dans lequel celui qui s'engage reconnaît qu'a priori il va rencontrer des gens qui ne sont pas d'accord avec lui. Tu ne peux pas dire que tu es démocrate si tu cherches uniquement à avoir un système politique où tout le monde est d'accord avec toi. Or, c'est ça Ouattara. Ouattara a voulu réduire toute la Côte d'Ivoire à une assemblée de moutons bêlants, derrière lui le berger. Ouattara a voulu détruire le pluralisme. Laurent Babo rappelle que la démocratie, c'est l'acceptation du pluralisme. Que, que tu sois au pouvoir ou que tu sois dans l'opposition, tu dois accepter comme principe que les autres ont le droit de ne pas être d'accord avec toi. Vous voyez, c'est une idée qui ne peut pas passer dans le crâne de Ouattara. Le crâne de Ouattara n'est pas poreux à cette idée-là. C'est une idée qui n'a jamais circulé dans les réseaux cérébelleux d'Alassane Draman Ouattara. L'idée de pluralisme, d'autres que moi, existent dans la cité qui ne pense pas comme moi. Or, c'est la base de la démocratie, c'est-à-dire le désaccord est le moteur de la démocratie. C'est un système politique qui fonctionne grâce au désaccord, c'est-à-dire qui transforme le désaccord en richesse. S'il n'y a pas de désaccord, il n'y a pas de démocratie, parce qu'il ne va pas y avoir une compétition des idées et le peuple ne va pas avoir une diversité de choix et il ne va pas y avoir émulation, rivalité positive, concurrence positive, concurrence loyale. Il ne va pas y avoir progrès par la rivalité positive. Ça, c'est un. Si vous voulez être démocrate, soyez pluraliste. Deuxièmement, le président Babou évoque une deuxième idée c'est la notion de vivre ensemble. Non seulement tu dois accepter que le désaccord sera permanent, mais tu dois accepter que ceux qui ne sont pas d'accord avec toi doivent vivre comme toi. Le vivre ensemble, c'est la deuxième condition de la démocratie c'est-à-dire dire comme Beaumarchais, je ne suis pas d'accord avec vous. Mais je me battrai pour que vous ayez le droit de vous exprimer. Le dire comme Voltaire, le dire comme tous ceux qui ont compris ce que c'est que la liberté d'expression, la liberté de penser, la liberté d'opinion. Tous ceux qui ont compris que la démocratie ne vit que là où je me bats pour que ceux qui ne pensent pas comme moi aient le droit de vivre, de s'exprimer, de circuler, de s'associer, dans la mesure où ils respectent les mêmes droits chez les autres. C'est donc la protection réciproque de la liberté. C'est ça le vivre ensemble. Vivre avec les autres c'est accepter ensemble de protéger mutuellement nos libertés réciproques. Deuxième principe démocratique. Laurent Bagou le rappelle. Et enfin, il dit, mais comment se vivre ensemble Peut-il être organisé Se vivre ensemble est organisé par des règles. Et la règle des règles en démocratie, c'est la constitution. Denise Epotet en profite pour préciser, la loi fondamentale. Laurent Babou avait dit la loi suprême. Ce qu'il voulait vous dire, c'est la loi qui prime sur toutes les autres lois. Denis Epotier dit c'est la loi fondamentale. Mais c'est la même idée. C'est la loi dont se déduisent toutes les lois de la République, la Constitution. Au point que le Conseil constitutionnel a comme fonction de contrôler, entre autres, si toutes les lois qui sortent de l'Assemblée nationale ou qui sont proposées par le gouvernement respectent la loi des lois, la Constitution. Donc Laurent Fabre dit on entre en démocratie, un, si on accepte le pluralisme, deux, si on accepte la tolérance de la diversité, c'est-à-dire le vivre ensemble. Trois, si on se soumet à la Constitution, si on respecte la Constitution. Et là, Laurent babo va insister sur le mot Constitution, sur la loi, et notamment sur le mot respecter. C'est comme ça qu'il va le prononcer. Il va le dire trois fois. Il faut respecter. Respecter quoi La loi. Car, et je cite Laurent Babo dans un autre de ses discours, ce qui fait la différence entre les hommes et les bêtes, c'est que les hommes ont des lois. Et Laurent Babo reprenait ainsi. Le baron Charles de Seconda appelait Montesquieu, dans un autre de ses ouvrages, l'esprit des lois. Ce qui fait la différence entre les hommes et les bêtes, c'est que les hommes se donnent des lois et qu'ils s'efforcent de les respecter. Pédagogie de la démocratie. Laurent Barbeau rappelle à ceux qui l'auraient oublié qu'en Côte d'Ivoire, la constitution qui venait de 1960 est une constitution qui n'avait pas la clause de limitation des mandats. Ça voulait dire quoi que le président Oufoué-Boigny, qui était d'ailleurs à la tête d'un parti unique, pouvait se faire réélire indéfiniment. C'était écrit dans la Constitution que le président de la République est rééligible, point. Il n'était pas dit qu'il n'est rééligible qu'une seule fois. Dans la Constitution de 1960, pratiquement jusqu'à 2000, le président de la République était rééligible, point. Donc le texte permettait au président Oufoué-Boigny d'être candidat autant de fois qu'il voulait. Voilà pourquoi on considérait que c'était une dictature éclairée c'était pas une démocratie parce qu'il n'y avait pas la possibilité pour les autres concurrents d'avoir préemption sur l'appareil d'état comme le président en exercice la bataille démocratique en Côte d'Ivoire a porté entre autres sur l'indépendance de la commission électorale mais aussi sur la limitation des mandats parce que tout le monde a bien compris que quand quelqu'un s'installe au pouvoir tout au long de sa vie il construit les conditions d'une monarchie les conditions d'une dictature et non pas celles d'une république. Tout le monde l'a bien compris et on le sait à la fois par la théorie politique et par l'expérience. Donc Laurent Barbeau rappelle que tout le sens de la lutte démocratique des Ivoiriens aura consisté à empêcher qui que ce soit de s'accaparer la présidence de la République à vie. Voilà pourquoi le constituant de 2000, soutenu par Alassane Ouattara, qui avait appelé à voter oui pour cette constitution, a dit le président de la République est élu pour un mandat. De cinq ans, il n'est rééligible qu'une seule fois. Cela a été maintenu dans la révision de 2016. Donc, il y a eu une continuité sans interruption du principe de la limitation des mandats présidentiels au nombre de deux. Donc, Laurent Babot dit sous Fouet, ce principe n'existait pas. On s'est battu pour que ce principe existe. Comment est-il possible qu'au moment où on se bat pour que ce principe existe, quelqu'un vienne nous dire qu'il a droit à un troisième mandat C'est-à-dire qu'on retourne au temps d'Oufouet. Il y a un problème et Laurent Baboua était d'une pédagogie extraordinaire. Il a rappelé que les Américains n'avaient pas ce principe de limitation jusqu'à ce qu'ils aient un président, Roosevelt, qui avait été. Roosevelt a été réélu, à ma connaissance, quatre fois, mais il est mort avant d'avoir fini son quatrième mandat. Après Roosevelt, les Américains ont dit non, c'est deux mandats. Les Français, article 6 de la Constitution de 1958, sont précis là-dessus. Nul ne peut être élu pour plus de deux mandats consécutifs. C'est ça, article 6. De la Constitution de 1958. Je le connais par cœur. Donc, Laurent Babo fait ici un cours de démocratie à l'adresse d'Alassane Draman Ouattara, à l'adresse du RHDP. Ce RHDP qui est constitué de militants qui n'écoutent personne, qu'Alassane Ouattara a rendu sourd, non seulement d'oreille, mais aussi sourd d'esprit. Au point qu'aujourd'hui, j'ai vu une image incroyable. Les affiches d'Alassane Ouattara sur un mur. Alassane Ouattara, auto-candidat, unique candidat à sa seule pseudo-élection. J'ai vu une chose incroyable que je voudrais vous rapporter. J'espère que vous avez vu cette chose-là. Vraiment, si vous n'avez pas vu ça, j'aimerais vous la montrer. Ça ne dure pas longtemps. Tout le monde doit avoir vu cette image. Si vous n'avez pas vu cette image, que cette conférence soit l'occasion pour vous de la voir. C'est une image absolument incroyable. Je vous montre ça. Vous voyez là, un cabri en train de déchirer les étiquettes de campagne d'Alassane Ouattara. Vous voyez là, en Côte d'Ivoire, un cabri en train de manger l'étiquette de campagne d'Alassane Ouattara. Je ne sais pas si Sandra. Ça, Sandra. Un Sandra. Un cabri déchire. Un cabri. Un mouton déchire. Bon. Je dis aux militants du RHDP On en est à un point où les moutons sont beaucoup plus libres que vous Voici que des moutons Habités je ne sais par quelle intuition Par quel sentiment Foncent sur les, les, les affiches inutiles De la non-élection du 31 Et vous, vous êtes encore là Le président Bagbo vous a rappelé aujourd'hui Les fondements de la démocratie Il a été professoral Et vous a rappelé que si il fallait que Ouattara ait droit à un troisième mandat, ça veut dire que depuis Oufoué-Boigny, on n'a pas changé de constitution, alors, en Côte d'Ivoire. Je recommence. S'il fallait que Ouattara ait droit à un troisième mandat, ça voudrait dire que depuis Oufoué-Boigny, on n'a pas changé de constitution. Parce que dans la constitution sous Oufoué, c'était écrit le président de la République est rééligible. Point. On a donc écrit il est élu pour un mandat de cinq ans, il n'est rééligible qu'une seule fois. Alors, quel est le sens de cette écriture, militant du RHDP Vous, dernier militant, qui n'avez même pas le courage de ce mouton. Le mouton même dit non. Pendant qu'il y a des gens au RHDP, des gens qui prétendent être des intellectuels, qui ont été à l'université, qui sont docteurs de l'université et qui persistent dans le mal, dans le mensonge. Le mouton même, l'animal qui symbolise euh, le suivisme, de lui, on a tiré l'expression un esprit moutonnier. Et à cause de votre comportement, on vous a assimilé à ce noble animal dont nous voyons la capacité de liberté, puisque cet animal a l'intuition que ces affiches vont ensanglanter la Côte d'Ivoire. Et cet animal sait que l'individu qui est sur cette affiche, il semble le savoir, ironie du sort, est un grand sacrificateur d'animaux à des fins démoniaques, à des fins occultes. L'animal fonce sur l'affiche de Ouattara et la mange. Il y a des signes qui devraient troubler. Votre quiétude moutonnière, même les moutons ne sont pas d'accord avec l'élection, la prétendue élection de Ouattara. Laurent Babo vous rappelle que Oufoué Boigny avait une constitution qui l'autorisait à être candidat autant de fois que possible. C'est pour mettre fin à cette tradition funeste que les Ivoiriens se dotèrent en 2000 d'un article qui dit deux mandats pour chaque Ivoirien, pas plus. Alassane Ouattara ne peut pas venir interpréter la limitation de mandat comme autorisant un troisième. Ça voudrait dire qu'on est retourné au temps de fouet. Et donc que ça ne servait à rien d'écrire la constitution de 2000, que ça ne servait à rien même de maintenir les dispositions dans celles de 2016. RHDP, sortez du mal. RHDP, sortez du pire. RHDP, sortez de l'enfer. RHDP, sortez du mensonge. RHDP, sortez de l'indignité, de l'abjection. Vous êtes en train de brûler la Côte d'Ivoire. Plus de 70. Ivoiriens ont été tués par votre faute. Et vous voulez continuer à foncer tête baissée vers ce que le président Babo a appelé la catastrophe. Il y a une seule solution, c'est de respecter la constitution. Et respecter la constitution, c'est renoncer à votre pseudo-élection de samedi. Ce n'est pas une élection, c'est une catastrophe. C'est le nom que le président Babo lui a donné. Catastrophe. Car... Huitième question au président Babo et nous nous acheminons vers la fin. On demande au président Babo, mais finalement, soyons sérieux. Vous êtes donc dans l'opposition. Vous êtes pour la désobéissance civile à laquelle les présidents Bédier, Soro, Afingessa et consorts ont appelé. Vous êtes pour la désobéissance civile. Mais après le 31, qu'est-ce qui va se passer? Parce que Ouattara et ses partisans disent un coup KO. Le président Babo dit. Après le 31, c'est la catastrophe. Donc voilà pourquoi je vous invite à réécrire l'expression un coup KO. Il ne faut pas écrire KO comme l'abréviation du anglais Knocked Out. Vous savez que le mot KO, l'expression KO, c'est une abréviation anglaise. KO veut dire Knocked Out c'est-à-dire mis euh, à terre, complètement abattu, mis à l'écart du combat. Knocked out, c'est-à-dire que tu as pris un coup de poing qui te met hors combat, hors d'état de combat. You are out of the fight. To be knocked out. Être mis hors d'état de combat. Donc. Mais il ne faut plus entendre un coup K.O. de Ouattara en mettant dans votre oreille K et puis O. Il faut plutôt plus mettre un coup, virgule, C-H-A-O-S. Un coup K.O. Le K.O. Ça s'écrit chaos et ça se lit le K.O. Laurent Babo dit, ce n'est pas un coup KO, K.O., non, c'est un coup KO, CHAOS. Ouattara amène la Côte d'Ivoire vers le chaos. Et Laurent Babo dit précisément qu'il s'est exprimé parce qu'il veut éviter cela. Il s'est exprimé parce qu'il veut éviter cela et parce que lui, il est un négociateur. Il est connu pour être un chef d'État qui a énormément négocié. Même quand il fut attaqué le 19 septembre 2002, il a choisi très tôt la voie de la négociation. Et c'est par la négociation que les élections de 2010 ont été possibles. Laurent Babou rappelle une anecdote qui, moi, m'était inconnue. C'était que même la veille de l'élection au deuxième tour, il y avait encore un dialogue entre lui, Ouattara, toutes les parties prenantes à l'élection de 2010 se sont parlé la veille du deuxième tour. Il donne cet exemple pour dire que là où il y a la volonté d'éviter le chaos, chaos, c'est-à-dire la catastrophe. Là où il y a cette volonté d'éviter la catastrophe, eh bien, le dialogue peut toujours sauver la paix de la nation. La négociation s'impose, et celui qui le dit, c'est celui qui a été à Marcoussi-Clébert, à Accra, à Lomé, à Pretoria 1 et 2, à Ouagadougou, pour chercher la paix. Laurent vous dit j'ai l'expérience de la négociation, et je suis sûr que par la négociation, on peut s'en sortir. Il suffirait que M. Ouattara renonce à tuer les Ivoiriens, renonce à pré précipiter la Côte d'Ivoire vers les abîmes et accepte de reporter les élections et de convoquer toutes les forces vives pour définir un calendrier vers des élections équitables, dans lesquelles Louis Ouattara sera contraint de respecter la Constitution, où RHDP présentera un autre candidat et où tous les autres candidats auront le droit de participer sur, la, sur, sur des bases consensuelles et indiscutables. Laurent Babo impose donc le mot négociation. Et cela est possible si M. Ouattara est visité par le Saint-Esprit ce qui malheureusement est un phénomène assez rare, voire un épiphénomène dans la psychologie de l'individu. Question numéro 10. On demande au président euh, 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 Laurent Babo ce qu'il pense de l'intervention de la CDAO et de l'intervention et du mutisme de l'Union africaine. Laurent Babo dit qu'il ne veut pas trop commenter. Il ne veut pas trop commenter, mais que globalement, ce qu'il observe, c'est qu'il faudrait que l'Afrique s'implique davantage dans la résolution et des conflits. Laurent Babo en profite pour indiquer ce qui est pour lui la source du problème. Et il lâche deux petites phrases. Il en lâche même trois. Trois petites phrases d'une profondeur monumentale encore. Il dit, bon, ce problème-là, c'est-à-dire la difficulté à gérer les élections, c'est un problème qui est énormément typique des pays francophones. Et Laurent Babo, c'est un spécialiste. De l'allusion. Il fait une allusion pour que ce soit Denise Epoté qui développe. Comme ça, c'est pas dans sa bouche qu'elle va manger son piment, pour le dire à l'ivoirienne. Laurent Babo dit <laughs> Le problème que nous avons en Côte d'Ivoire, c'est un problème qu'on voit dans la plupart des pays francophones. C'est surtout dans les pays francophones. Oui, c'est le problème qu'on a au Cameroun. La crise du Cameroun, c'est ça, jusqu'aujourd'hui. C'est le problème qu'on a au Gabon, jusqu'aujourd'hui. C'est le problème qu'on a au Congo-Brazzaville, jusqu'aujourd'hui. C'est le problème qu'on a au Togo, jusqu'aujourd'hui. C'est le problème qu'on a même souvent encore au Sénégal jusqu'aujourd'hui. C'est le problème qu'on a eu au Niger jusqu'au. C'est un problème qui menace encore le Niger aujourd'hui. Même le Bénin est menacé par le même problème. Alors Laurent Babo dit que c'est typique dans les pays, c'est typique des pays francophones. Et puis il s'arrête. Il laisse Denise Poté avancer. On, on lui dit mais pourquoi, pourquoi dans les pays francophones cela arrive-t-il Je rappelle que Laurent Babo s'exprime sur TV5, une chaîne francophone, une chaîne française. Donc Laurent Babo avance ici à la manière de Descartes. Il applique le principe du larvatus prodeo, c'est-à-dire j'avance masqué. Il ne déploie pas ses batteries, il laisse Mme Épotée développer. Elle lui dit, mais pourquoi? Et Laurent Babo commence, à cause de notre histoire avec la France. <laughs> à cause de notre histoire avec la France. Pendant que Denise Epauté cherche encore à approfondir, lui-même il ajoute à cause de la forme de décolonisation que nous avons connue. Laurent Bois en remet une seconde couche. Et Denise Epotet, qui est une journaliste de la chaîne de télévision française et qui voit très bien que là, on est en train de charger la France-Afrique à fond, Denise Epotet dit Mais à cause aussi des hommes politiques africains, à cause des hommes politiques africains. Et Laurent Babo ne laisse pas Denise Epotet finir. Il dit, Oui, tous, ils sont tous mi-français, mi-africains, ils sont mélangés. C'est-à-dire qu'on a du mal en Afrique francophone à, à ne pas vouloir faire plaisir à la France. Laurent Babo dit. Donc Laurent Babo, dans cette réponse à la question numéro 10, nous dit que la démocratie est bloquée dans la plupart des pays d'Afrique francophone en raison du rôle nocif de l'élite politique française. Autrement dit, comprenez bien Laurent Babo, c'est un génie de l'allusion. La, la, la mission de la CDAO qui a échoué, c'est la faute en filigrane à des manipulations de la France-Afrique. En effet, le président ghanéen Nana Akufo-Addo, qui est devenu le copain et le coquin de Ouattara, se fait manipuler indirectement par la France. Et il manipule la CDAO au service de la politique française. C'est ce que Laurent Babo nous dit, hein, sans le dire. Hein. Lui, il dit non, je ne veux pas parler de la CDAO, hein. je ne veux même pas parler de l'Union africaine, mais je dis seulement que nous, on a un problème en Afrique francophone. On dit, hé, hey, quel problème Laurent Babo dit, le problème, c'est que on a une histoire avec la France. Autrement dit, Laurent Babo nous renseigne que si la CDAO ne fonctionne pas bien, c'est parce que la France politique est constamment en train de mettre des roues dans tous les mécanismes qui peuvent amener à une véritable autonomie. Et il ajoute une deuxième raison, à cause de la manière de décolonisation que nous avons connue. Donc, Laurent Babo dit c'est parce que nous ne sommes pas entièrement décolonisés en Afrique francophone que nous n'avons pas une démocratie pleine. Laurent Babo dit donc, et c'est ce que j'en tire, qu'il n'y aura pas de démocratie authentique en Côte d'Ivoire sans, sans une décolonisation totale. C'est une thèse de Laurent Babo qui est connue, hein, mais là, il l'a glissé. Il l'a glissé entre deux phrases à, à Denise et Il l'a mise au passage à cause de la nature de notre décolonisation. Le leader de l'opposition camerounaise, Maurice Kamto, dit souvent c'est parce qu'il y a une différence entre la décolonisation structurelle et la décolonisation formelle. Nous avons obtenu en 1960 la, décolon, la décolonisation formelle dans les formes. Mais nous n'avons pas obtenu la décolonisation structurelle, c'est-à-dire décolonisation monétaire, c'est-à-dire décolonisation militaire. C'est-à-dire décolonisation politique, c'est-à-dire décolonisation théorique, c'est-à-dire décolonisation culturelle. Ce n'est pas encore le cas. C'est ce que dit Laurent Babou. On a des problèmes en Afrique francophone parce qu'on a une élite politique qui se laisse facilement manipuler par l'élite politique française. C'est ce que Babou dit. Et quand Denise Epote veut accuser exclusivement les hommes politiques africains, Laurent Babou dit que c'est même parce que ces hommes politiques sont encore psychologiquement dépendants de la classe politique française. Qu'ils ne parviennent pas à penser de manière autonome un processus démocratique authentiquement africain. Donc, derrière toute cette affaire, Laurent Babo dit que les médiations internationales qui échouent en Côte d'Ivoire échouent parce qu'il y a des grandes puissances, et notamment la puissance française, qui ne joue pas toujours franc jeu. D'ailleurs, au niveau de l'Union africaine, qui est l'individu qui joue à un jeu très dangereux contre la Côte d'Ivoire Il s'appelle Moussa Faki Mahamat. C'est le représentant du satrape reptilien Idriss Déby à l'Union africaine. Mais qui est Idriss Deby Idriss Deby, c'est le maréchal de la France. <laughs> la maréchal, le maréchal de la France au Tchad. Le caniche de la France africaine, Jamena. C'est Idriss Deby. C'est lui qui a désigné son ancien ministre des Affaires étrangères, Moussa Fakim Mohamed, comme président de la Commission de l'Union africaine. Et c'est ce monsieur qui envoie des observateurs de l'Union africaine. En Côte d'Ivoire, alors qu'il n'a pas vérifié qu'il y a vraiment d'abord élection, dans le but de maquiller la mascarade, de maquiller le crime d'Alassane Draman Ouattara. Moussa Fakim Mahamat, serviteur de la dictature tchadienne, veut aider le dictateur Ouattara à sauver sa mise. Le président Babo nous dit il se comporte comme ça parce qu'il y a derrière lui une puissance. Quelle est cette puissance C'est la puissance française. C'est dit là c'est un problème francophone. C'est un problème lié à notre histoire avec la France. C'est un problème lié à la forme de la décolonisation, donc la décolonisation qui n'est pas achevée. C'est un problème lié à la dépendance psychologique d'une bonne partie de la classe politique africaine francophone envers l'élite politique française. Laurent Babois a tout dit en deux phrases et demie. Et il fallait bien surveiller ces phrases pour voir ça. Si vous réécoutez l'interview, vous verrez ce que je vous dis. C'est ce qu'il a dit. Ça pouvait passer inaperçu. Mais il a dit on est bloqué parce qu'il y a une puissance qui manipule la CDAO. Il y a une puissance qui manipule l'Union africaine pour empêcher la véritable décolonisation. Oui. Voilà un problème que les Africains doivent affronter. Enfin, on en vient à la, aux dernières questions. Qu'est-ce qui sera la Côte d'Ivoire d'après le 31 octobre Laurent Barbeau dit. Surtout pas penser que la solution pour la Côte d'Ivoire, ce serait un gouvernement d'union nationale. Il en a fait l'expérience, ça ne marche pas, ce n'est pas efficace. Ce qu'il faut, c'est s'asseoir discuter, fonder un cadre électoral consensuel, organiser de véritables élections. Celui qui gagne gouverne, les autres sont dans l'opposition, ou ils sont ses alliés, mais sur la base de la même plateforme idéologique et du même programme. Donc, Laurent Babou est pour la clarification des différences idéologiques politiques. Il n'est pas pour le melting pot, ce qu'il a appelé le magma. Et il dit, c'est inefficace. Alassane Ouattara veut faire un soi-disant gouvernement d'union nationale. En réalité, Ouattara utilise ça comme un appât pour corrompre les plus faibles des opposants. En prétendant qu'après avoir brutalisé la Côte d'Ivoire, tué des centaines d'Ivoiriens, eh bien il pourra toujours prendre dans le FPI, prendre dans le GPS, prendre dans, euh, prendre dans le PDCI des individus pour l'accompagner et gouverner avec lui. Et que ce sera ça l'union retrouvée. Laurent Babo dit, c'est une fausse union. La vraie union n'est pas l'union autour des postes. La vraie union, c'est l'union autour des principes, des règles du jeu démocratique. L'union d'un pays se construit sur le plan principiel, le respect des principes, des règles, le respect de la constitution. C'est ça qui fait l'union véritable d'un pays. Ce n'est pas le fait de partager ensemble le gâteau du pouvoir. C'est pas ça qui fait l'union. Parce que le restaurant n'a jamais rassemblé les gens. Chacun vient manger sa part et ensuite chacun rentre chez lui au restaurant. Alors que dans un pays, tous sont soumis aux mêmes lois. Et alors au moment où on demande au président Babo de conclure son intervention, de dire son dernier mot aux Ivoiriens qui ne l'ont pas entendu depuis pratiquement dix ans et qui ne l'ont pas vu, Laurent Babo dit la thèse décisive de cette interview. Il dit que lui, il est venu parler aujourd'hui parce qu'il veut que cela soit clair dans les esprits de tout le monde, que la direction que lui, Laurent Babo, prend dans le combat qui se mène contre le troisième mandat, Laurent Babo dit ceci Je suis résolument du côté de l'opposition au troisième mandat. Je suis résolument du côté de l'opposition au troisième mandat. Je suis avec l'opposition contre le troisième mandat. Autrement dit, Laurent Babo renforce le mot d'ordre de désobéissance civile. Il dit au peuple de Côte d'Ivoire Ce que le président Bédier vous a dit, c'est ça que je vous dis. Ce que le Premier ministre Pascal Afingessan vous a dit, c'est ça que je vous dis. Ce que le président Guillaume Soro vous a dit, c'est ça que je vous dis. Ce que Mabri Touakos vous a dit, c'est ça que je vous dis. Ce que Mamadou Koulibaly vous a dit, c'est ça que je vous dis. Nous sommes dans une unité d'action pour fonder la République. Donc, Laurent Babou met un terme à tous les doutes que certains avaient laissés planer sur l'existence d'un deal implicite, ambigu entre lui et Alassane Raman Ouattara. Laurent Gbagbo, il met un terme ferme au moment de conclure. Il dit, je suis contre le troisième mandat de la San Ouattara. Il faut que ça soit clair pour tout le monde. Et ça, c'est l'un des moments où il s'adresse directement à Ouattara. Tout au long de l'interview, il s'adressait à Ouattara en utilisant l'expression, on, 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 il, nous devons. Là, fermement, il dit, à Ouattara, je suis contre toi. Non pas pour des raisons personnelles, mais parce que je dois sauver mon pays. Laurent Babo dit donc à tous les Ivoiriens, à toutes les Ivoiriennes, du nord au sud, de l'est à l'ouest en passant par le centre et dans toutes les diasporas, comme un seul homme, mobilisons-nous contre le troisième mandat, empêchons le troisième mandat de Ouattara. On doit l'empêcher par tous les moyens légaux et légitimes. C'est ce que Laurent Babo a dit. Je suis dans l'opposition. Je suis résolument il a utilisé l'adverbe résolument, c'est-à-dire pour dire que c'est non négociable et qu'il n'a rien négocié avec Ouattara à propos du prétendu droit de Ouattara à un premier mandat de la Troisième République. Laurent, Laurent Babo dit qu'il est radicalement opposé. Cette dernière parole du président Laurent Babou, qui est une parole de valeur testamentaire et qui est aussi un ordre, qui est une directive qu'il a donnée à ses militants, j'espère que tout le monde a bien compris, hein. en tant que l'un des leaders de l'opposition, le président Babo, le président Bédier, le président Guillaume Soro, Hein, le président Pascal sans tous les présidents de partis d'opposition, de l'opposition, quand ils parlent, c'est des instructions qu'ils nous donnent. Laurent Babou a dit Je suis venu donner ma direction. En fait, il est très rusé il voulait dire Je suis venu donner ma directive. Parce qu'un chef, quand un chef donne sa direction, c'est qu'il a donné une directive c'est une instruction. Hein, nous, au mouvement Génération et Peuple Solidaire, quand le président Guillaume Soro dit Voici la direction que je vais suivre, en fait, il est en train de parler de nous, ce que nous avons pensé ensemble. Ça veut dire que c'est notre direction. Et le président Laurent Babo vient donc confirmer que toutes les ailes du Front populaire ivoirien sont dans la désobéissance civile. Il vient confirmer que toutes les ailes du Front populaire ivoirien et tous les alliés du Front populaire ivoirien sont dans la désobéissance civile. Il vient confirmer l'unité d'action entre les plateformes CRDP, GPS et EDS contre le troisième mandat de Ouattara. Il vient aussi confirmer que. Une fois que le cadre démocratique sera fondé, lui, il a des choses à faire valoir. Et moi, je trouve que c'est légitime. Il a le droit de faire valoir ce qu'il veut faire valoir. La compétition sera ouverte. Lorsque les règles démocratiques seront rassemblées, on s'affrontera fraternellement, fermement, objectivement et pacifiquement. Et le peuple de Côte d'Ivoire choisira de tous ses fils, de toutes ses filles, celui ou celle qui doit assurer, assurer la magistrature suprême. Nous nous battrons pour notre candidat comme les autres se battront pour le leur, mais pour le moment, il s'agit de se battre contre l'ennemi commun du peuple de Côte d'Ivoire, le PGDC, le danger de la Côte d'Ivoire, le déstabilisateur de la Côte d'Ivoire depuis 31 ans, Alassane Ouattara. C'est l'homme qu'il faut faire quitter du jeu politique ivoirien en vertu de la loi. C'est même pas en vertu d'un règlement de compte personnel avec lui, c'est parce que la loi ne le lui permet pas, la loi ne le lui autorise pas. Article 55. J'ai beaucoup aimé le fait que le président Babo n'ait pas emprunté le mauvais chemin de ceux qui voulaient culpabiliser le président Bédier, le président Guillaume Soro, et le président Mabri Tuakus, par exemple, ou alors le ministre Marcel Amontano, les culpabiliser au motif qu'ils auraient accompagné Ouattara dans la réforme de 2016. Le président Babo n'est pas entré dans cette argutie parce qu'il sait que la constitution révisée en 2016 n'a jamais autorisé Ouattara à faire un troisième mandat. Je suis heureux que le président Babou ait recadré tout ce qui dans son camp était dans cet argument un peu facile de dire que c'est la faute au président Bédier, au président Guillaume Soro, bref, à tous ceux qui étaient au RHDP. Si Ouattara a révisé la constitution, non. La constitution révisée n'autorise pas un troisième mandat. C'est ce que la loi dit. Et Laurent Babou dit de respecter la loi. Quelle loi La constitution. Quelle constitution Celle de 2016, là. Il faut la respecter. La respecter, c'est que Ouattara se mette à l'écart. Le RSDP envoie un autre candidat et les neuf autres conditions que vous connaissez doivent être remplies. Chers amis, telle est l'analyse que je voulais donner de cette interview. Je suis heureux d'avoir pu vivre ce moment du retour d'un grand euh, fauve politique dans l'arène. Un retour maîtrisé, un retour magistral. Il n'est pas entré dans l'acrimonie, il n'est pas rentré dans le coup pour coup avec Ouattara parce que Ouattara est un enfant attardé un individu enfantin, un vieillard enfantin attardé dans le reniement mythomaniaque de son enfance, la mégalomanie qu'il a contractée, le sadisme et le masochisme qui en, sont, qui en ont résulté et qui font qu'il souffre de ce que Chris Yapi, le grand investigateur que je salue, a appelé le syndrome du Bris et que moi j'ai appelé la Ouattarite. Laurent Babou l'a mis à sa place proprement sans le toucher. Et que, Laurent Babo l'a taclé à distance. Il n'y a même pas eu contact entre eux. Ça me rappelle les dribbles du docteur Théophile Abega, l'équipe du Cameroun. Quand il prenait le ballon, toi tu es derrière lui, tu arrives, il t'a déjà dribblé. Tu tombes seul. C'est ce que Laurent Babo a fait aujourd'hui. Il a dribblé comme Abega. C'est-à-dire que sans contact, dès que sa manière de récupérer le ballon élimine l'adversaire qui vient le barrer. Ouattara ne voit même pas, il n'a pas prononcé le nom Ouattara. J'ai trouvé ça, c'est une prouesse. Laurent Babou a fait une interview de retour dans l'action. C'est dans la bouche de Madame Denise Epoté que le mot Ouattara a été prononcé. Ce n'est pas dans la bouche de, Ouattara, de, de de Laurent Babou. Il faisait, le piment sortait de la bouche de la journaliste. cest que Ouattara l'a tellement maltraité ces derniers temps qu'il a renvoyé à Ouattara la balle sous la forme de la, la non-dénomination. C'est-à-dire qu'il dit Je ne te prononcerai pas, mais pourtant, je te neutraliserai. Voilà, l'opposition est rassemblée, que le peuple de Côte d'Ivoire l'emporte, que nul ne doute de cette unité d'action, elle est avérée. Ce n'est plus une fiction. La directive du président Babou est donnée. Mobilisation totale. Il faut empêcher l'élection mascarade du 31 octobre. Il faut l'empêcher par tous les moyens légaux, par tous les moyens pacifiques, par tous les moyens légitimes. Et j'insiste là-dessus, le peuple de Côte d'Ivoire n'a pas à se laisser agresser. Il ne doit pas à devenir un peuple agresseur. Il ne doit pas tomber dans la xénophobie, mais il ne doit pas se laisser agresser. Car la légitime défense est reconnue en droit international et en droit africain international et en droit ivoirien. Elle est reconnue. Ne pas être dans l'agression, mais ne pas non plus être dans la naïveté de se laisser surprendre. Parce que le satrape ne peut pas imposer un nouvel esclavage après 31 ans de désordre fomenté en Côte d'Ivoire. Chers amis, vous étiez au total environ 8000 personnes à suivre ce direct de décryptage. Je crois que c'est la notoriété du président Laurent Babo qui me vaut un tel succès. Je voudrais une fois de plus saluer avec respect son retour dans la bataille politique. Je voudrais le remercier. Pour avoir entendu le vœu profond que nous avions exprimé, que moi personnellement j'avais exprimé, au risque même de me faire critiquer par certains de ses partisans, de parler. Il a parlé, il a rempli ses devoirs, il a assumé sa responsabilité d'homme d'État. Et ce 29 octobre sera un grand jour. Que Dieu bénisse toutes les Ivoiriennes, tous les Ivoiriens qui œuvrent véritablement pour que ce pays devienne un État de droit et une démocratie. Que Dieu bénisse. Tous les leaders de l'opposition ivoirienne qui ont pris la Côte d'Ivoire à cœur, qui placent la Côte d'Ivoire au-dessus de leurs intérêts. Que Dieu bénisse tous les amis de la Côte d'Ivoire, les fils, les filles adoptives de la Côte d'Ivoire, qui soutiennent la Côte d'Ivoire dans ce combat. Tous les peuples africains qui ont compris les Ivoiriens. Que Dieu bénisse les Burkinabés qui ont compris qu'on ne doit pas les mêler à la crise ivoirienne, que Ouattara ne doit pas les utiliser. Que Dieu bénisse. Les Guinéens, les Maliens, qui ont compris qu'on ne doit pas les mêler, que Ouattara est l'ennemi de l'Afrique, qu'il les bénisse et qu'il donne de l'énergie à tout ce peuple de la vérité et de la justice contre l'ennemi. Je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt et merci de votre amitié. Alors, j'avais mis un peu de bébé -be pour commencer. On peut se séparer. On peut se séparer en en mettant un tout petit peu. Hein, pour replonger dans la joie de ce pays BT qui est l'un des pays les plus musicaux au monde. Et en Côte d'Ivoire, je connais deux pays hyper musicaux comme ça. Pour moi, c'est le pays Akie et le pays BT. Vraiment, quand je suis quelque part dans ces coins-là, je ne peux pas m'empêcher. de trépigner parce que ils sont trop forts les

à bientôt en Côte d'Ivoire pour fêter la réconciliation merci à chacune et chacun d'entre vous et bravo au président Laurent Babou, bravo à Denise et Poté pour cette belle prestation je me suis habillé de noir aujourd'hui, à la mémoire de toutes les familles endeuillées du Cameroun et de Côte d'Ivoire. Mon pays natal et mon pays endeuillé par les dictateurs. Je vous dédie ce retour en scène d'un grand fils de l'Afrique. Je vous dédie mes vœux que nos pays soit libéré de la violence.

Merci à tous, au revoir.